Il est 10h pétante, c'est parti pour une nouvelle journée du Pick and Stream. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En ce samedi matin, bien réveillé, 10h pétante, eh ouais, ça rigole pas. Alors attendez, parce que là je vois pas le chat à cause d'un gros truc. Ça va s'arranger. Et eh ben salut Clémence, salut Petite Bulle, salut Tank Fabi, j'espère que vous êtes en forme. Quand je pense qu'il y a 20 ans, le samedi matin, c'était plutôt à regarder Batman à la télé. Et maintenant, on parle du financement des retraites à 10h. L'enfant que j'étais, s'il nous regardait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se dirait? Qu'on a sans doute très mal tourné, mais c'est pas grave. Toujours en forme, bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. La musique est-elle trop forte? La musique est-elle à un niveau raisonnable? Est-ce que tout est en ordre? Si tel est le cas, on va pouvoir tranquillement commencer. Ah. Donc c'est moi qui ai le plaisir de débuter cette journée de stream. Le programme est chargé d'ailleurs, il y a du monde aujourd'hui. Donc très clairement, je suis la section la plus boumeuse de toute la journée. Donc on va parler de l'argent des retraites ensemble jusqu'à midi. De midi à 14h, quelqu'un devient une catgirl pour la grève. Donc ça, heureusement que c'est pas moi qui fais ce segment. J'aurais été, je pense, une très mauvaise catgirl. Avec AJV, de 14 à 16h, Mutazione, la suite, je ne sais pas ce que c'est. Avec Tesla Ghost, de 16h à 18h, vous aurez un stream sur les démocraties animales avec Oam Gui. De 18h à 20h, Tonton Ductif et Storky Dossiast Pex sur des mobs de droite. Je ne sais pas sur quoi ils vont pexer, mais ils vont le faire. Et ensuite, de 20h à minuit, gros stream, Ama, Trans et Profem avec Léo Jacotte. Donc une journée riche. Une journée riche en stream aujourd'hui. Et ce qu'on aimerait bien qu'il devienne encore plus riche, c'est cette petite caisse de dons que vous voyez en dessous, qui sera évidemment renversée aux caisses de grève. Donc bravo déjà à toute l'équipe de Piqué de Stream pour cette super idée, encore une fois. Et puis voilà. Les dons. Merci beaucoup, Clémence. Des grosses journées au piqué, carrément. Il y a du monde. Bon, j'espère que vous êtes aussi chaud pour mardi. Parce que mardi, grosse journée de mobilisation interprofessionnelle. Il faut être nombreux et nombreuses à faire grève. Et puis surtout, à être dans la rue. Et surtout à faire grève. Donc on espère que vous serez en nombre mardi. Et d'ici là, on va discuter un petit peu de pognon et du pognon des retraites. Si vous êtes OK avec ça, on est parti. Tout de suite, on va commencer pour se mettre en jambe avec un petit député macroniste. Ça, c'est une bonne manière de se mettre en jambe dès le matin. Bon, donc on va écouter ça tout de suite. Je m'épose sur la musique. Je passe sur la capture d'écran. Et on commence tranquillement. Alors,
Parce qu'évidemment, en ce moment, ils parlent tous et toutes de pognon. Bon, ils racontent un peu n'importe quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre tranquillement en jambe avec ce député. On va regarder une petite vidéo de grand n'importe quoi sur les chiffres. On va lire un mémo écho de la CGT. Sur, donc la CGT, j'en fais partie, moi, pour être tout à fait transparent avec vous. Je suis économiste là-bas. On va parler de la question des chiffres avancés par le gouvernement. Et puis ensuite, on parlera des propositions de financement, des éléments qui sont sur la table, à partir d'un petit diaporama court et, je l'espère, clair. Et puis voilà, je pense qu'avec ça, normalement, vous devriez être équipé sur la question de l'argent des retraites. Bon, c'est parti pour écouter ce député. Alors, je vous augmente le son pour que vous puissiez l'entendre de manière claire. Vous êtes chaud et chaude, parfait. Vous savez, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles, et vous avez raison de le dire. Les Français, ils connaissent parfaitement cette réforme, ils ont compris quels étaient les enjeux, mais il faut aussi redire quelles seraient les alternatives à cette réforme. Moi, quand j'entends, par exemple, qu'on me propose la retraite à 60 ans, ça coûte 90 milliards d'euros par an, et ça veut... C'est peut-être même un peu moins que ça, mais si on veut avoir des bonnes pensions, c'est peut-être un peu plus que ça, on verra que c'est pas très grave. Dire qu'on va doubler l'impôt sur le revenu des personnes, des Français... Hop là, stop ! On arrête tout de suite. Alors, comment il s'appelle celui-là ? Mathieu Lefebvre. Mathieu Lefebvre, vous êtes député. Qu'est-ce que vous racontez ? L'impôt sur le revenu ne finance pas les retraites. C'est n'importe quoi, ça. Faut pas dire des choses comme ça à 16h06 sur BFM TV en direct. Il y a quand même des gens qui vous écoutent. Et ensuite, vous passez pour une buse. Donc, faut pas faire des choses comme ça. Alors, pourquoi c'est n'importe quoi ? Alors, vous imaginez, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas les revenus suffisants, il y en a beaucoup dans ce pays qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Vous leur dites, bah, du coup, pour financer la retraite à 60 ans, on va doubler l'impôt sur le revenu. À tous ceux qui n'en payent pas, du coup, l'impôt sur le revenu, c'est la fête, quoi. On finance la retraite à 60 ans gratos. Hop là, c'est n'importe quoi. Qui aujourd'hui paye l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'une telle réforme serait populaire auprès de l'opinion publique ? J'en suis pas certain. Il y a des choses que vous ne faites pas dans cette réforme. Par exemple, faire contribuer les retraités les plus aisés. Bon, ça, c'est pas tellement important tout de suite. Salut, Mac Bouture, ça va bien ? Donc, reprenons ce que vient de dire ce député. Il dit, mais vous vous rendez compte, si on fait la retraite à 60 ans, ça va coûter plein de pognon. Et ça va conduire, c'est comme doubler l'impôt sur le revenu. Je pense qu'il voulait prendre un ordre de grandeur un peu simple pour marquer les esprits, évidemment en racontant dans le même temps strictement n'importe quoi. Et donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça tranquillement dans les dizaines de minutes qui vont venir. Alors, comprenez bien aussi ce truc-là. La logique, salut Valeur Anarchiste, salut tout le monde. La logique centrale du gouvernement, c'est quoi là ? Il essaie de nous faire croire que, comme d'habitude, ça vaut pour les retraites et ça vaut pour le reste, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est une réforme obligatoire. Alors ça, c'est aussi un classique hein, dans la rhétorique de droite. Vous ne vous rendez pas compte. Évidemment, on sait que c'est difficile, mais c'est nécessaire, etc. Bon, ça, c'est rien de très, très nouveau. On entend ça à chaque fois qu'il faut demander, vous comprenez, des efforts au peuple français. Ça, c'est très classique. Donc évidemment, les gens qui demandent des efforts sont ceux qui ne les subissent jamais eux-mêmes. Ça aussi, c'est évidemment classique. Mais peu importe, je ferme cette petite parenthèse. Ce qui est certain, c'est que ce qu'il raconte sur le financement vise à faire croire que si on veut partir plus tôt, ça nous coûtera nécessairement plus cher en termes de pouvoir d'achat. C'est ça l'idée. D'accord ? C'est de dire, bah, ça contribuera à augmenter. Alors, ils disent soit les impôts, soit les prélèvements. Ils disent jamais cotisation. C'est un mot qu'ils ont banni de leur vocabulaire, semble-t-il, alors que c'est de ça dont on parle. Et cotisation et impôts, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est absolument certain. Un rappel très simple. La cotisation, ça se passe au moment même de la production et de la répartition des richesses. Quand l'employeur, d'accord, verse le salaire, il verse tout le salaire. Le brut y compris, donc les cotisations aussi. Les cotisations, ça fait partie de votre salaire, et du mien aussi d'ailleurs. Donc évidemment, se battre pour plus de salaire, c'est aussi se battre pour plus de salaire au global, dont la partie socialisée qui finance notre sécurité sociale, y compris les retraites. Alors les retraites, c'est une bestiole particulière dans la sécurité sociale, dans le sens où il y a un aspect qui est beaucoup plus différé que socialiser. Ça, c'est assez vrai aussi par rapport au reste de la Sécu. Je m'explique. Quand vous consommez, de fait, je sais que vous n'avez pas aimé ce mot-là, mais tant pis, vous me pardonnerez, on est samedi matin, des services de santé, des soins, etc. Vous êtes d'accord que ça ne dépend pas du niveau de votre contribution. Ben, vous êtes pété la jambe, vous allez à l'hôpital, vous avez votre jambe qui est réparée. Ça, c'est purement socialisé. On cotise collectivement, on investit collectivement et on consomme aussi, de fait, collectivement. Il n'y a pas d'histoire individuelle de « je vais retirer » tant de milliers d'euros du système de soins, c'est purement socialisé. Alors la retraite, c'est un peu différent, dans le sens où le calcul de votre retraite va se faire selon ce que vous allez gagner tout au long de votre carrière. Donc c'est là où, en fait, le montant et le niveau de la retraite va dépendre des salaires antérieurs. C'est pour ça qu'il y a un côté plus différé. Mais dans le même temps, en fait, vous ne payez pas pour votre propre retraite.
Les retraites, c'est un système par répartition, vous le savez toutes et tous maintenant. Et donc, on paye à un moment donné, une année, d'accord, pour l'ensemble des pensions qu'il faut verser cette année-là. Et donc, voilà, ça, c'est les éléments essentiels. Le gouvernement, en mélangeant impôts, cotisations, etc., essaye de faire toujours la même chose, c'est-à-dire de faire peur en disant, vous comprenez, la pression fiscale, c'est terrible, ou la pression, du pouvoir d'achat, enfin, la pression sur le pouvoir d'achat, c'est terrible. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que qu'est-ce qui nous empêche d'augmenter les salaires et d'augmenter aussi les cotisations ? Bah, un peu rien. Un peu rien, en fait. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, évidemment, sur les chiffres, le gouvernement raconte n'importe quoi. Et ça, on va l'écouter aussi très rapidement. Alors, je pense qu'il y a un aspect comptable, c'est que... Lui, j'avais oublié son existence avant, la semaine dernière, où il est ressorti comme ça, vous voyez, Michel Sapin. Si quelqu'un se souvient de Michel Sapin, c'est que vous êtes déjà pratiquement dans l'équipe des anciens, hein, et des anciennes, hein, je préfère vous le dire. Mais voilà, il y a toujours des gens qui ressortent comme ça, pouf, tiens, bah, Michel Sapin, on t'avait complètement oublié, toi. À l'ombre de ta grandeur, regardez-les dans le chat, ils se font des câlins, ça c'est beau, c'est ça qu'on aime. C'est ce qui peut-être rapporte le plus d'argent le plus rapidement. Donc, prenons cet aspect comptable. Alors vous êtes aux alentours, oui. Là, on nous dit 17,7 milliards. Oui, mais c'est pas... vous avez vu, le journaliste, 17,7 milliards. Oh là là, mais vous vous rendez compte, 17,7 milliards, ça fait au moins 1 milliard de plus que 16,7 milliards. Ça fait... c'est énorme. Bon, évidemment, quand on n'a pas d'ordre de grandeur, 17,7 milliards, ça ne veut absolument rien dire. Je vais vous donner un petit ordre de grandeur après sur les aides publiques aux entreprises et vous verrez qu'effectivement, il y a matière à discuter. Mais on ne couvre pas la totalité des 17 milliards en décalant l'âge de la retraite. Donc... Il y a urgence parce que le rapport du COR, le COR composé des partenaires sociaux, montre que dès 2027, ce sont 12,5 milliards d'euros de déficit, que dès 2030, c'est 15 milliards d'euros, qu'en 2035, c'est 20 milliards d'euros, qu'en 2040, c'est 25 milliards d'euros de déficit. On ne peut pas maintenir un système... Alors Olivier Dussopt, il n'est pas en grande forme. Je pense que là, il se rend compte lui-même qu'il raconte à peu près n'importe quoi. Il n'y croit pas non plus à ses éléments de langage. Ses conseillers lui ont dit « Mais si, si, Olivier... » Balance ces chiffres-là, ça passe, t'inquiète pas. Il lui dit, vous êtes sûr? Parce que quand même, moi, à la base, j'étais plutôt bon à l'école, et là, il faut que je raconte absolument n'importe quoi sur le système de retraite. Ça va se voir au bout d'un moment, non? Mais non, t'inquiète pas, c'est bon. Alors, Bruno, lui, il s'en fout complètement aussi. Système de retraite par répartition, quand on accumule 100 milliards d'euros de dettes d'ici quelques années. Hop, 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 regardez-moi ça. L'explosion, on arrive à 100 milliards d'euros. Oh là, et attention, lui, c'est mon petit champion. Il a poussé le truc plus loin, il s'est dit, de toute façon, personne vérifie. On s'en fout complètement, non? Ce que je pense, c'est qu'il y a urgence à sauver notre système de retraite. Il y a 500 milliards de dettes sur les 25 ans à venir si on ne fait pas la réforme. Un quart. Alors, vous n'avez pas vu parce que c'est caché. 500 milliards. 500 milliards, ça commence à parler, non? Ça commence à faire un peu de pognon. Alors, évidemment, c'est n'importe quoi. Parce que quand on parle en cumulé comme ça, vous allez voir qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à des chiffres. Bon. Commençons tout de suite par ce petit mémo écho. Donc, il y a un site qui s'appelle... Analyse et proposition. Pourquoi c'est mal croppé? Ça m'énerve. Attendez. Excusez-moi. Il faut que je fasse quelque chose. Ça ne va pas du tout. Alors. Capture, capture. Excusez-moi. Une petite seconde. C'est un stream des professionnels. Bon, c'est pas parfait. Mais on voit un petit peu mieux. Alors, donc on a écrit ce petit mémo, enfin c'est pas moi qui l'ai écrit, c'était un de mes camarades à la CGT qui a écrit ça, sur la question du financement. Je vous remets un petit peu de musique, tranquillement. Voilà, on est bien, on est détendu. Donc, le gouvernement raconte n'importe quoi sur les chiffres. 12, 15, 17 milliards, on sait pas très très bien. Ça devient difficile de se retrouver tant les chiffres changent chaque jour. Donc, bon, le chiffre qu'on peut retenir, c'est entre 12 et 17 milliards, en fonction des hypothèses qu'ils retiennent et en fonction de ce qu'ils décident d'inclure ou pas dedans, d'accord? Bon, ces chiffres-là, on verra qu'en fait, il y a des éléments qui sont quand même cruciaux pour la suite du régime, enfin de nos régimes de retraite et globalement du système de retraite, mais ça, j'y reparlerai juste après. Pourquoi ces chiffres sont discutables? Alors, le rapport du COR est établi selon une série d'hypothèses qu'on peut discuter. Ça, c'est toujours le cas. On peut toujours discuter les hypothèses. La première, qui à mon avis n'est pas assez discutée, enfin en tout cas pas assez mise en avant, c'est que dans les scénarios du COR, donc le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites.
D'accord, c'est un organisme où il y a différents, il y a plein de monde qui participe, il y a des experts, il y a les organisations syndicales, etc., etc. Bon, patronales surtout, des administrations, etc. Bon, en gros, c'est une espèce d'institution qui est plutôt pas mal dans le sens où il y a de la vraie discussion, il y a un vrai pluralisme aussi des idées qui sont présentées et les rapports sont plutôt de très bonne facture, ça on peut pas le nier. Alors après, comme tout ce genre de rapport, pour le coup, il y a des hypothèses qu'on peut contester. Salut, prof Sil. Première hypothèse, c'est que la part des salaires dans la valeur ajoutée serait constante. Alors ça, c'est central, parce que tout le conflit entre le capital et le travail, entre les salariés et le patronat, se joue ici, d'accord ? Donc là, on pose comme hypothèse, écoutez, la part qui revient au profit et la part qui revient au salaire, ne va pas bouger, sera constante. Alors évidemment, quand vous êtes quelqu'un comme moi, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'on voudrait non seulement que ce soit pas constant, mais que ce soit largement tordu dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens du monde du travail. On fait aussi l'hypothèse, et celle-là, elle est majeure, il y a un petit conflit capital-travail. Absolument, MacBouture. Bah oui, partage de la valeur ajoutée, ce qui revient aux salariés et ce qui revient au capital sous forme de rémunération type dividende, évidemment, ça, c'est le cœur du conflit entre le capital et le travail. Et donc, l'autre hypothèse, c'est une baisse continue de l'emploi public, alors même que le gouvernement annonce autre chose. Et surtout, c'est l'inverse dont on a besoin. Il suffit de regarder à quoi ressemblent les hôpitaux, les écoles, les collèges, les lycées aujourd'hui, pour comprendre que les besoins en termes d'emploi public sont immenses. Bon, évidemment, on pose ça comme des données. Et alors, ça donne quelque chose. Enjeu du partage de la richesse, c'est exactement ça. Ça veut dire que les hypothèses fournies par le gouvernement dramatisent honteusement la situation des retraites. Donc ça, on a écrit ce petit paragraphe-là suite à la publication d'un petit document par le collectif qui s'appelle Nos services publics hier. Donc ce sont je pense que c'est essentiellement des hauts fonctionnaires, mais qui du coup ont refait le calcul en montrant que effectivement, quand on prend les hypothèses fournies par le gouvernement, elles prévoient une baisse du pouvoir d'achat de 11% en 2027. Vous vous rendez compte de ça? C'est énorme ça. Ça veut dire qu'on dit, désolé pour toutes celles et ceux qui travaillent dans les trois versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique d'État, les profs typiquement, la fonction publique hospitalière, évidemment, vous voyez de qui je parle, et puis la fonction publique territoriale, c'est tous les agents territoriaux. Salut Timothée Vert. Donc on dit, voilà l'hypothèse, baisse du pouvoir d'achat de 11% d'ici 2027. Déjà, c'est une hypothèse qui risque de ne pas plaire beaucoup à toutes celles et ceux qui bossent dans les services publics. Selon le collectif Nos services publics, cette baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires et la baisse de l'emploi public ont pour effet d'aggraver le déficit projeté de 4,7 milliards d'euros en 2030. Alors déjà, ça fait que le chiffre qui est annoncé par le gouvernement, des alentours de 10 ou 12 milliards, est déjà beaucoup moins impressionnant. Oui. Donc sans cela, le déficit du système de retraite serait donc plutôt de 5,5 milliards et non de 10,2 milliards. Donc forcément, il est très probable, en tout cas si on en croit ce collectif Nos services publics, que le gouvernement ait volontairement, avec ses hypothèses, gonflé honteusement les chiffres et en fait ait carrément doublé le déficit annoncé du système de retraite. Donc vous voyez que cette affaire d'hypothèse, je sais pas pourquoi ma voix part dans les aigus comme ça, c'est parce qu'on est samedi matin, vous me pardonnerez, cette affaire d'hypothèse, c'est pas du tout une affaire technique. C'est bien sûr une affaire éminemment politique, et puis toujours, l'objectif du gouvernement, là, c'est de faire peur avec les chiffres, pour faire passer l'idée qu'il est absolument indispensable, vous comprenez, de faire une réforme des retraites. 3% de déficit pour n'importe quelle boîte privée, c'est à mardi un peu, ouais, c'est ça. Alors bon, là, c'est quand même particulier, parce qu'on parle sur des masses qui sont importantes, et puis surtout, la question centrale qui ne disparaît pas, c'est celle des ressources qu'il faut allouer au système de retraite pour garantir un âge de départ plus tôt et pour garantir des bonnes pensions, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Comment on fait pour retrouver l'ensemble des streamers du Piquet Stream? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, je peux parler que pour moi. Moi, j'ai une petite chaîne aussi, donc si jamais vous voulez venir suivre par la suite, vous serez les bienvenus. On parle toujours d'économie une fois par semaine, en moyenne au moins. C'est important de dire en moyenne, comme ça, je m'avance pas trop. Alors, les estimations du corps aussi, ça, c'est un autre problème, c'est que bien malin, celui qui est capable de prévoir ce que sera l'économie en 2030, sans même parler de 2040, sans même parler de 2050, sans même parler de 2070, parce que les projections du corps vont jusqu'en 2070. Donc regardez par exemple en 2016. Le rapport prévoyait que le système serait en déficit en 2021 et en 2022. Et en fait non, il était en excédent. Donc ça ne veut pas dire que le travail du corps est mauvais, ça veut dire qu'il faut toujours prendre des projections avec des pincettes. Et puis enfin surtout, ça c'est l'essentiel, si on sait qu'il va y avoir des déficits à venir, mon nom de streamer c'est quoi? Mon nom de streamer c'est Mathieu_Coq, C-O-C-Q.
Si on sait qu'il va y avoir des déficits, alors il y a une manière très simple de le savoir. La démographie, pour le coup, c'est pas une science... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez connu. Il y a des instituts entiers, notamment l'Institut National des Études Démographiques, qui travaillent sur ce genre de questions, et qui... Bah, en fait, on savait très bien qu'il allait avoir moins d'actifs par retraité. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est pas un truc qui nous tombe dessus, vous voyez, comme la misère sur le monde. C'est que d'un seul coup, bah, ça... C'est quelque chose qu'on a pu prévoir par le passé. Donc la seule question qui vaut, bah, c'est comment est-ce qu'on augmente les ressources du système, d'accord, pour faire en sorte d'avoir de bonnes retraites et de partir relativement tôt. Et l'alternative qui est celle du gouvernement, pardon, bah, c'est de dire on va réduire les droits de l'ensemble des salariés. Désolé. Je continue sur les chiffres. Les 500 milliards d'euros, donc ça c'est le grand n'importe quoi du gouvernement. Ça, c'est sûr et certain. La nouvelle lubie du gouvernement, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc, si vous êtes un jour étudiant en économie, ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est de parler en déficit cumulé. Donc, vous avez 12 milliards sur une année, 12 milliards sur une autre, et on dit, bah regardez, ça va représenter tant de déficits cumulés. Bah, ça, c'est très bien. Mais en fait, si on ne met pas en face l'évolution de la richesse qui va être créée, si on ne met pas en face l'inflation, par exemple, bah, en fait, tout ça n'a plus grand sens. Alors, regardez. Déjà, Bruno Le Maire, il n'est pas du tout clair, il dit... ça s'élèvera à 100 milliards d'euros dans quelques années. Alors, quelques années, ça veut dire beaucoup et peu en même temps. Si c'est 100 milliards d'euros dans 3 ans, effectivement, ça peut commencer à devenir un problème. Si c'est 100 milliards d'euros sur 20 ans, bah, en fait, c'est un tout petit problème. Hein. On produit cette année 2500 milliards d'euros de richesse. Vous voyez que, déjà, rapporté à la richesse qu'on crée chaque année, c'est pas énorme. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Conseil d'orientation des retraites ne parle jamais en euros, d'accord, en milliards d'euros, parle toujours en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la richesse qu'on crée tout le temps. Disclaimer de dessin animé. Les enfants, si un jour vous êtes Bruno Le Maire, ne faites surtout pas ça. J'espère pour vous que vous ne serez pas Bruno Le Maire et que vous réussirez votre vie. Faut quand même pas déconner. Bon, alors, si on veut nous aussi parler en cumulé, on s'est amusé à le faire, on peut dire qu'à régime constant, les aides aux entreprises vont représenter 2000 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Pas mal, 2000 milliards d'euros, non ? Ça commence à faire pas mal d'argent. On est déjà à plus que 100 milliards, et c'est seulement sur 10 ans. Donc, vous voyez, parler en cumulé, ça n'a aucun sens. Alors, ça n'enlève rien au fait que les aides publiques aux entreprises, qui représentent, je le rappelle, 200 milliards d'euros en 2021, sans compter l'activité partielle longue durée, donc c'est peut-être même beaucoup, c'est plus que ça encore. C'est absolument colossal. Hein. Le budget de l'éducation nationale, c'est 80 milliards d'euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. Les aides publiques aux entreprises, c'est 200 milliards d'euros. Si vous demandez où passe le pognon public, cherchez pas, hein. C'est exactement là où il va, pour des montants qui, en plus, continuent d'augmenter. Sachant que en 2022, il y a encore une nouvelle aide, donc vous verrez qu'en 2023, quand on aura les chiffres définitifs, ce sera plus élevé encore. Mais bon, ça fait partie de ça, c'est ma lubie personnelle depuis maintenant 2 ans, cette affaire-là, dont on ne parle pas assez, les aides publiques aux entreprises. Je ferme cette parenthèse, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc le gouvernement, en plus, il ne fait pas d'hypothèse correcte. Avec une inflation, par exemple, à 2% et une croissance de 1%, en fait, 1 milliard d'euros aujourd'hui, c'est comparable à 2,09 milliards d'euros dans 25 ans. Donc, en fait, on ne parle pas de la même chose. Les milliards d'aujourd'hui et les milliards dans 25 ans ne sont pas les mêmes. Donc, dire on va avoir tant de milliards dans 25 ans, c'est juste complètement mensonger. Et ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée centrale, c'est que le gouvernement, bah, il cherche simplement à imposer sa réforme en misant sur la peur des chiffres, des gros chiffres comme ça, et puis sur le fatalisme, le classique, il n'y a pas d'alternative, vous connaissez sans doute ça, hein. There is no alternative, le TINA, ça c'est pas nouveau, et il n'y a pas de raison que ce soit différent pour les retraites. Bon, en fait, même si on regarde par exemple aussi les scénarios du système de retraite, le système de retraite pourrait avoir accumulé d'ici quelques années, soit 1000, enfin pardon, attendez, c'est jusqu'à quand ça ? C'est à long terme, voilà, c'est ça, 2070, pardon. Pourrait avoir accumulé soit 1500 milliards d'euros de dette, ça c'est un des scénarios, soit 600 milliards d'euros d'excédent. Alors faites quelque chose entre un gradient, avec un delta qui va de plus 600 milliards à moins 1500 milliards. Vous voyez bien que ces projections, il faut les prendre avec de grosses pincettes. Bon. Le scénario moyen, c'est 300 milliards d'euros sur les 25 ans à venir. Donc évidemment, c'est pareil, puisque c'est toujours un chiffre cumulé. Et ça correspond bien à 12 milliards d'euros par an. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Donc, les mettre en cumulé, c'est juste que ça fait plus peur. C'est simplement ça. C'est l'essentiel, et c'est l'essentiel de la rhétorique gouvernementale en ce moment. Pour rappel, bah, c'est 300 milliards d'euros, d'accord ? Ou alors, c'est 12 milliards d'euros par an. Bah, en fait, avec moins de 10 euros par mois de cotisation,
salariale au niveau du SMIC qu'on propose nous à 2000 euros, bah on couvre ce besoin-là. Vous voyez que ramener en euros par mois par personne, ça fait déjà moins peur. Hein. Moins d'un Netflix, et puis tu as ta retraite sur ton système qui est totalement équilibré. Tu seras en train de nous dire que le gouvernement cherche à nous faire peur. Ben, j'ai bien peur que oui. J'ai bien peur que oui. Donc peu importe que l'on parle en pourcentage du PIB, d'accord, ça va représenter tant de pourcents, 0,8%. En fait, c'est ça, c'est moins de 1% du PIB, hein, le déficit qui est annoncé. Les chiffres présentés par le gouvernement dramatisent la situation pour faire avaler la pilule de la réforme. Le hic, c'est que, bon, ça c'est plus le truc militant pour la fin, c'est que nous on est solide sur les argumentaires sur le financement. Je vais essayer de vous en faire la démonstration tout de suite et qu'on va continuer à les porter. Alors, une fois que j'ai dit ça, là vous devez vous dire, bon, le barbu à la télé nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est pas ce que je dis. C'est pas qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des choses à faire, essentielles. Ce qui est en train de se passer pour le système de retraite, on est en train de payer, enfin on va payer collectivement et surtout nous. Je sais pas quel âge vous avez derrière votre écran, mais en tout cas moi typiquement, j'ai une trentaine d'années, et quand je serai en retraite, si la tendance continue, d'accord, mon niveau de vie par rapport à celui de l'ensemble de la population sera à peu près 30% inférieur au niveau de vie des retraités par rapport à la population aujourd'hui. Ça c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça s'explique par au moins deux choses. Bon, la première c'est la question démographique, ça c'est pas nouveau, on peut triturer le truc autant qu'on veut, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y aura de fait plus de retraités par nombre de cotisants, ça c'est indéniable. C'est pas un problème ça. Une fois qu'on a ce genre d'informations, bah, là, à votre avis, la question qui se pose derrière c'est quoi? Bah, c'est, bon bah puisqu'on sait cet état de fait là, bah, il faut augmenter les ressources du système. Voilà, ça, je ferme cette parenthèse, la notion démographique pour couper court à toute discussion n'a pas de sens. Voilà. Maintenant une fois que j'ai dit ça, ce qui est en train de se passer aussi, et ça c'est un peu plus technique mais ça l'est pas tant non plus. Dans les années 80, fin des années 80, les gouvernements de l'époque ont décidé d'indexer les pensions, d'accord, non plus sur le salaire moyen, mais sur les prix. Alors, ce que ça veut dire ça concrètement, c'est que, en gros, le salaire moyen, il a tendance à augmenter sur longue période, hein, un peu plus rapidement que les prix, d'accord, d'être juste au-dessus des prix. Puisqu'on indexe les pensions sur les prix, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux lignes comme ça qui bougent différemment. Vous avez le salaire moyen qui augmente tout doucement comme ça, et vous avez les pensions qui, elles, diminuent par rapport au salaire moyen. Donc si on ne fait rien, on aura des pensions qui seront trop faibles pour pouvoir subvenir correctement à nos besoins. Ça, c'est l'essentiel. Donc on ne peut pas dire, nous, à gauche, qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faut, c'est améliorer le système pour avoir de bonnes pensions et partir plus tôt. Ça n'a rien d'impossible, etc. Ce sont des choix politiques, mais le statu quo n'est pas acceptable. Sinon, ça voudrait dire qu'on s'appauvrit plus tard. Je fais une petite pause, excuse. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de fermer mon micro. Honnêtement, j'ai 22 ans, je viens à peine de rentrer en vie active, je compte même pas. Je tiens au peu de joie de vivre que j'ai encore. Mais évidemment, il faut de la joie de vivre. Et avoir une bonne retraite, ça participera à ta joie de vivre future, mon cher... je sais plus qui a dit ça, ma chère Clémence. Eh oui. Parce que je sais bien que quand on a 20 piges, c'est compliqué de se projeter à 60 et plus. Ça, j'imagine déjà, moi, à 30, c'est pas évident non plus. Hein. Mais cela étant dit, ce qui est certain, c'est qu'on y arrivera à cet âge-là, si tout se passe bien. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, forcément, la question se posera. Donc, plus vite on se la pose, plus on se rend compte qu'en fait, cette question-là, c'est pas seulement une question de génération, c'est une question de classe sociale. Et là, je rejoins un peu ce que dit Prof Sil. Alors, supprimer les riches, ça suffira pas. C'est pas qu'il faut pas le faire, il faut évidemment le faire, mais c'est un des éléments de la réflexion. Globalement, si je vous donne en deux secondes mon point de vue là-dessus, la question du patrimoine des plus riches, salut Kikix, c'est d'abord une question de propriété, hein. Donc ça veut dire que c'est pas les taxer qu'il faut, c'est leur reprendre pour le gérer nous-mêmes, et ça c'est pas tout à fait la discussion du jour, je ferme cette parenthèse également. Donc la question de nos retraites pour la suite, c'est évidemment une question de financement, et ça n'a rien d'impossible de financer, et donc je vais vous le montrer maintenant avec ce petit PowerPoint, hop là, sur les propositions de la CGT en matière de financement. C'est parti. Bon, la CGT propose évidemment un projet social un peu plus large, d'accord, améliorer la sécurité sociale, etc. Et l'enjeu des retraites n'est pas déconnecté du reste de la Sécu. Ça, c'est essentiel. L'enjeu fondamental sur les retraites, c'est pas une question de démographie,
C'est pas une question de, je sais pas quoi d'autre, ce que dirait le gouvernement, d'impôts, je sais pas quoi. C'est une question de répartition des ressources. C'est une question de création de richesses et c'est une question de répartition des richesses. Vous me direz, c'est un peu souvent le cas. Ben oui, toutes les questions économiques tournent autour de ça, d'accord ? Qu'est-ce qu'on produit pour répondre à quels besoins ? Et comment est-ce qu'on met en commun un ensemble de ressources ? La sécurité sociale, c'est ça, c'est la décision collective de mettre en commun un ensemble de ressources, de les payer collectivement, de les consommer collectivement. Et concrètement, la retraite n'échappe pas à ça. C'est de faire un système collectif qui permette de se payer collectivement, d'accord, des pensions de retraite. Donc évidemment, il faut changer de modèle économique, ça c'est une évidence même, il faut rompre avec le modèle économique tel qu'il existe, enfin j'imagine que je n'apprendrai pas grand-chose à personne ici, mais la question du temps de travail, c'est aussi la question de où est-ce que, enfin d'à quel âge on part à la retraite. C'est pas seulement le temps de travail enfin la semaine, c'est aussi à quel âge on est capable de partir en retraite. Et profiter d'une bonne retraite, c'est fondamental. Hein. Alors, par rapport à cette question de la démographie, un petit point aussi. Ce qu'on entend régulièrement, c'est « Ah ben oui, mais vous comprenez, on vit plus vieux. » Alors ça, déjà, les gains d'espérance de vie ont tendance à ralentir, ça c'est évident. Deuxièmement, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait des gains d'espérance de vie. C'est aussi sans doute lié au fait qu'on ait des bonnes retraites. Et l'autre élément qui est central, c'est qu'en réalité, le temps qu'on passe à la retraite est en train de diminuer. On est en train, nous, d'être les générations, si on laisse faire, qui allons passer moins de temps à la retraite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En 2010, réforme Sarkozy, le temps moyen passé à la retraite, il est passé de 25,5 à 24,5 ans. D'accord ? Avant, donc ça, c'est la réforme de 2010. Si on laisse passer cette réforme-là, le temps moyen, il passera à 23 ans. Évidemment, les classes populaires sont celles qui seront les plus concernées, et les hommes particulièrement, pour une fois, typiquement, les quinquagénaires parmi les plus modestes, d'accord, c'est ceux qui ont le plus de chances d'avoir une retraite de moins de 10 ans. Donc ça, c'est évidemment un scandale absolu. Donc la question aussi, c'est, en fait, est-ce qu'on veut travailler jusqu'à la mort, quoi ? Concrètement, il y a de ça. Pas l'espérance de vie des prolos, exactement, c'est ça, Makita. Donc pour le coup, c'est non seulement prendre au global les gains d'espérance de vie, ça marche pas. Il faut regarder du coup par déciles de revenus par exemple, etc. Faut regarder en termes de classe sociale ce que ça veut dire. Et puis surtout, concrètement, là même en moyenne, on passe moins de temps à la retraite. Donc est-ce que c'est ça la vision du progrès du gouvernement ? Sans doute. Ça peut pas être la nôtre, évidemment. Bon, la finalité du projet gouvernemental, elle est on ne peut plus claire. Ça n'a jamais été de sauver le système qui n'a pas besoin d'être sauvé, je vais vous le montrer. C'est le refus systématique d'augmenter les recettes du système. Ça, c'est central. Salut Lydrix. Limiter, l'autre élément qui est aussi important là-dedans, et on retrouve ça dans les documents budgétaires du gouvernement, c'est de limiter les dépenses de retraite pour financer des baisses d'impôts pour les entreprises. Ça s'inscrit dans la logique des politiques dites structurelles, d'accord ? On diminue les dépenses, et puis on diminue aussi les prélèvements sur le capital. En l'occurrence, le gouvernement a déjà voté pour cette année la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, pour 9 milliards d'euros. Donc vous voyez, comme ça, on peut perdre 9 milliards d'euros. Ça vient s'ajouter aux 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. Donc ça fait des montants qui sont absolument colossaux, qu'on ne prélève plus sur le capital, et qu'à la place, du coup, on fait peser sur le monde du travail. L'autre élément aussi, on ne l'a pas noté là dans ce PowerPoint, pardon, mais qui est important, c'est qu'il y a une logique économique aussi derrière cette réforme des retraites. D'accord ? C'est un peu... C'est même mesuré par l'Observatoire français des conjonctures économiques. La logique, c'est quoi ? Si vous augmentez l'âge de départ, vous allez augmenter mécaniquement le nombre de personnes, d'accord, qui sont disponibles pour travailler, qui devraient être en emploi. Vous augmentez, entre guillemets, si on parle comme les économistes standards, vous augmentez l'offre sur le marché du travail. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui se font la guerre pour avoir un boulot. Bah concrètement, ça fait quoi, ça ? Sur vos prétentions salariales, s'il y a plus de personnes qui sont prêtes à prendre le même boulot que vous, bah en fait, ça pousse les salaires à la baisse. D'accord ? Ou en tout cas, ça limite considérablement les velléités de hausse. Tout ça, évidemment, dépend des niveaux de rapport de force et dans l'entreprise et plus globalement. Mais concrètement, c'est ça, l'effet cherché. Et donc, qui dit pression à la baisse sur les salaires, dit aussi pression à la hausse sur les profits. Et la logique est celle-là. Augmenter les profits, puis ensuite, vous connaissez la ritournelle classique. Qui dit hausse des profits, dit
investissements supplémentaires, ce qui n'est jamais vérifié, mais c'est pas très grave, etc., etc. Donc la logique économique, elle est aussi celle-là, derrière cette réforme. Et donc c'est ça qui se discute dans, sous les ors de différents palais de gens qui sont tout à fait raisonnables, respectables, de hauts fonctionnaires, en hauts fonctionnaires, etc., qui nous expliquent que voilà, il va falloir accepter de travailler plus longtemps, ce sera bon finalement sur le long terme pour tout le monde. Évidemment, c'est pas vrai. Bon. Ce qui est certain, c'est que ce projet implique la diminution des pensions et le recul de l'âge de départ à la retraite. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. L'autre élément, c'est qu'en s'attaquant au système socialisé, eh ben, on ouvre encore un peu plus la voie à la capitalisation. Le projet, alors là, c'est le projet de la CGT et celui-là, il est financé, il est crédible et il est assis sur la cotisation. Ça, c'est l'alternative au financement. Bon, je reviens très rapidement sur cette affaire de déficit construit, on a déjà parlé des hypothèses, donc je passe. D'accord, vous aurez compris que poser comme hypothèse que le partage entre les salaires et les profits reste constant, c'est un véritable problème, ça ne marche pas. De la même manière, poser que l'emploi public va soit diminuer, soit ne pas augmenter, ça aussi c'est un choix politique. Donc évidemment, une fois qu'on a fait ces deux choix politiques-là et qu'on les bloque de la discussion, bah ça fait qu'on se retrouve avec des chiffres comme ces 13,5 milliards de déficit à horizon 2030. Cela étant dit, le système n'est absolument pas en danger. Ça, c'est un mensonge absolu. 12 milliards de déficit à horizon 2027, un peu plus de 13 milliards à horizon 2030, c'est 3% des dépenses du système. 370 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas grand-chose. Michael Zemmour, qui est un économiste spécialiste du financement de la Sécu, il a une très belle image pour ça. Il dit, en fait, si vous avez un découvert un mois dans l'année de 150 euros, vous êtes embêté, mais vous n'êtes pas en danger financièrement. C'est exactement ça. C'est exactement, vous me pardonnez, je suis malade. C'est exactement ça qu'on retrouve avec ça. D'accord ? Avec cette affaire de déficit là. Alors pour bien comprendre, une hausse de 0,8 points de cotisation, d'accord ? Ça suffirait à combler ce déficit. Donc ça ferait, pour un SMIC à 2000 euros, 8,25 euros de cotisation sociale salariale et 8,25 euros de cotisation sociale patronale. Si on avait un partage de 50-50, ce serait encore moins que ça pour la part salariale parce que le partage c'est 40-60, mais c'est pour bien que ce soit clair dans la tête de tout le monde ce que ça représente en termes de montant. Donc c'est infime, d'accord ? Le système de retraite n'est pas en danger. D'autant que l'avantage d'avoir un système par répartition, c'est qu'il ne peut pas être en danger par définition. En fait, s'il y a un problème une année, eh ben, il suffit d'augmenter les ressources cette même année. Il n'y a pas de dette sur le long terme, en fait. Il suffit d'augmenter les ressources, évidemment. Ça, il faut en faire le choix. Et le choix politique n'est évidemment pas celui-là. Le système de retraite, par ailleurs, dans son ensemble, dispose de 200 milliards d'euros de réserves. Alors ça, prenons ça avec des pincettes aussi, c'est tout compris. Régime complémentaire, etc. Mais au global, s'il y avait vraiment un gros problème, on pourrait taper dedans. On a plus de 10 ans, là, facile, de réserves. Donc évidemment, le système n'est pas en danger. Et le conseil d'orientation des retraites lui-même reconnaît que bah en fait, le déficit il est temporaire et que ça reviendrait à terme à l'équilibre. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Je m'explique. Cet équilibre-là, il repose sur l'appauvrissement des retraités futurs, ce que je vous ai dit. Donc on ne peut pas être pour cet équilibre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la manière défensive de parler du système des retraites. Après, il faut aller à l'offensive. Nous, ce qu'on veut, c'est pas le statu quo. C'est pas partir à 63 ans, c'est pas partir à 67 ans sans décote, c'est partir plus tôt. Et même encore plus tôt pour les métiers les plus pénibles. Et ça, ça se finance du coup. Bonjour, hein. Barbara la gauchiste, bienvenue. Donc le vrai problème, j'insiste là-dessus, c'est le niveau des pensions à venir. Donc la raison pour laquelle le système actuel n'est pas en déficit, c'est du fait des réformes passées qui ont fait le sale boulot, entre guillemets. Et le sale boulot, bah, c'est d'augmenter l'âge de départ, ou d'augmenter la durée de cotisation, et puis c'est surtout désindexer les pensions sur les salaires. Donc ça, ça fait que c'est très petit, hein, mais petit à petit, année après année, le pouvoir d'achat des futurs retraités diminue. Et ça, c'est vraiment un élément majeur dont on ne discute pas assez, et qu'il faut bien qu'on ait en tête, je pense, toutes et tous. Alors, puisque le gouvernement n'a jamais voulu augmenter les recettes, et bien logiquement, l'ajustement se fait sur les dépenses, ça c'est logique. Sans changement, une forte dégradation du niveau de vie des pensions des retraités est prévue. Donc il nous faut un changement, absolument. Il faut qu'on modifie en profondeur le système de retraite pour faire en sorte qu'on ait de bonnes pensions. Donc il faut une augmentation des recettes. Et donc ça, on l'a financé, on l'a chiffré plutôt.
il faut à peu près 100 milliards d'euros par an. Voilà. Je peux pas vous le dire autrement. Le chiffre, il est clair, pour le coup. Et c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est pour donner une idée de l'ordre de grandeur ce que ça représente. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas du tout introuvable. Au contraire. Et donc, toute la bataille doit se mener là-dessus. Sur comment est-ce qu'on fait pour financer de bonnes retraites. Et comme d'habitude, c'est pas une question technique, c'est pas une question... C'est des choix de société, c'est des choix politiques, et puis c'est des luttes et du rapport de force. L'avantage du stream, c'est qu'on transmet pas ces microbes. Alors, améliorer le système de retraite. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Bah déjà, partir à 60 ans toutes et tous. Et partir même plus tôt pour les métiers les plus pénibles, 55 ans. Revenir au calcul sur les 10 meilleures années pour le privé, conserver un calcul aussi plus intéressant pour le public, 6 derniers mois, prendre en compte les années d'études, ce qui éviterait, par exemple, je pense que Prof Sil, tu dois partir à 67 parce que tu as dû faire des études, j'imagine, qui ne sont pas prises en compte, et donc forcément, on part plus tard. Moi, c'est pareil, hein, j'ai commencé à bosser après mes études, et donc forcément, je partirais à régime constant à 66 ans. Ça ne me plaît pas du tout, ça. 66 ans, mais je serais complètement fatigué. Alors, concernant la pénibilité, donc prise en compte des situations réelles de travail, taux de remplacement minimum de 75%, le taux de remplacement, ça, c'est essentiel. C'est, d'accord, le pourcentage de votre dernier salaire. C'est ça qu'on appelle le taux de remplacement. Donc, le but, c'est d'avoir une pension qui ne soit pas à un niveau trop faible par rapport à votre dernier salaire. 66 ans, OMG. Eh ouais, Kikix, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dit par le camarade de formateur, le calcul sur les 25 dernières années, votre salaire d'il y a 25 ans vous tire vers le bas. Exactement. Bah oui, c'est logique ça, Mac Bouture. Parce que si vous prenez vos salaires sur une plus longue période, évidemment, vos salaires, quand vous avez commencé votre carrière, par exemple, je dis n'importe quoi, bah forcément, ça tire les futures pensions vers le bas, parce que ce sera pris dans le calcul, alors que si on réduit la période, d'accord, bah on prend les années les plus favorables, et donc ça fait des meilleures pensions. C'est aussi simple que ça. Yes, fin d'études à 27 ans, et plein de CDD, chômage, eh oui. Maintenant, je touche 1240 euros en tant que prof précaire à 70%. C'est chaud la retraite. Mais non, ce sera pas chaud si on arrive à augmenter déjà les salaires et le SMIC, et surtout si on arrive à garantir un niveau minimum de pension qui soit au niveau du SMIC. Mais bon, voilà, ça c'est aussi c'est des enjeux de lutte pour la suite. Donc évidemment, tout ça, ça a des implications financières. On peut pas se le cacher, on peut pas dire... Enfin, en fait, quand on dit, ça c'est un défaut que je vois chez beaucoup de camarades qui est juste, hein, ils disent, mais oui, mais c'est des choix politiques, certes. Mais des choix politiques, ça se chiffre aussi. Ça ne veut pas dire qu'on raisonne dans le cadre constant. Hein. Ça veut juste dire qu'il faut avoir une idée globalement de la production de richesse de ce qu'elle représente et puis ensuite de comment on répartit cette production de richesse. Et ensuite, la question économique se pose de manière très forte. Donc, la redistribution, c'est l'élément central du système par répartition. D'accord ? Et pour le financer, il y a un ensemble de propositions qui sont, je l'espère, claires et chiffrées. Vous me direz ce que vous en pensez. Dès que c'est pas clair, vous appuyez sur le bouton « c'est pas clair ». Je ne sais pas où il est sur votre chat, mais sinon vous l'écrivez et je le lirai. Et donc l'idée centrale aussi qu'il faut garder, c'est que la cotisation doit financer la sécu. Si on a le temps ensuite, une fois que j'ai fini le diapo, je vous montre c'est qui clair. C'est ça. Je vous montrerai une petite vidéo d'Henri Sterniak qui parle de ça, que je trouve très juste, et en fait elle rejoint pas mal de ce qu'on dit ici. Donc les leviers principaux sont ceux-là. La hausse des salaires, mais vous verrez que c'est pas suffisant. Les créations d'emplois, ça c'est fondamental. En finir avec les exonérations de cotisations. Ça aussi, c'est extrêmement important, mais ça pose des questions. Mettre à contribution les revenus du capital. Bon, ça, c'est évident, mais il faut voir quelle forme ça peut prendre aussi pour garder la logique de notre système de retraite qui est fondé sur la cotisation. Élargir l'assiette. Donc, en fait, quand on a des cotisations, on a deux modes principaux pour augmenter les ressources. Soit on augmente le taux. Bonne matinée à toi aussi. Begsenvrein. Vous avez des noms compliqués parfois, excusez-moi, hein, je dis avec tout le respect. Mais c'est compliqué de lire vos noms. Donc soit vous augmentez le taux, si vous passez le taux de 10 à 20%, bah voilà, vous augmentez sur une même masse donnée, d'accord, bah les ressources, et sinon vous augmentez l'assiette, donc vous dites, bah, j'élargis, d'accord, globalement, ce que je vais pouvoir, ce sur quoi on va prélever des cotisations sociales. Et l'autre élément, c'est qu'il faut prendre la sécurité sociale dans sa globalité pour voir apparaître qu'en fait, elle sera en excédent. Donc se pose la question de ce qu'on fait des excédents. Vous allez voir la logique si vous suivez mon raisonnement. Alors, les hausses de salaire, c'est pas discutable.
la nécessité des salaires, c'est une nécessité absolue, surtout en période d'inflation forte aujourd'hui, pour répondre aux besoins correctement de toutes et tous, ça, il n'y a pas de doute. Sauf que, sur la question du financement des retraites, bah, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pire, c'est que je suis breton, mais tu vois, je parle pas breton. Donc désolé d'avoir massacré, la langue. Si on a de meilleurs salaires, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, bah vous serez d'accord avec moi que on a aussi de meilleures pensions de retraite. Mais alors du coup, si on a de meilleurs salaires d'un côté et que plus tard on paye de meilleures pensions, vous êtes d'accord avec moi, ça permet pas d'équilibrer le système, ça permet pas d'avoir des ressources supplémentaires. Ce qu'on augmente ici, on le dépense en plus là. Ce qui est une bonne nouvelle. Avoir des bonnes pensions, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur les hausses de salaire toutes seules, d'accord, pour la suite, pour avoir de bonnes retraites dans le futur. Ça, c'est important. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Cela étant dit, ça donne quand même des ressources à court terme. Une hausse de salaire de 5% dans le privé, c'est 9 milliards de cotisations supplémentaires. C'est pas rien, il faut les prendre, ça. Une hausse du point d'indice, donc le point d'indice, c'est ce qui sert de base à la rémunération des fonctionnaires. Vous entendez souvent, j'imagine, à la radio ou à la télé qu'il est gelé. Donc effectivement, il est tout le temps gelé. Ça veut dire qu'on dit aux fonctionnaires, bah désolé, cette année, pas d'augmentation. Un petit chiffre intéressant, s'il y a des gens qui bossent dans le public qui nous écoutent, le point d'indice, il n'a été revalorisé au-dessus de l'inflation. D'accord ? Ça veut dire qu'il a donné des gains de pouvoir d'achat que 9 fois en 36 ans. Bah, c'est comme ça que le pouvoir d'achat des fonctionnaires, il a largement diminué en une trentaine d'années. Bah oui, en fait, quand vous dites bah, l'inflation elle est à 1% et le point d'indice va être valorisé de 0,7, bah, vous faites une toute petite différence, vous voyez. Mais par contre, une toute petite différence multipliée sur bah, 20-30 fois, ça fait à la fin une grosse différence. Et bah, c'est comme ça que les travailleuses et les travailleurs dans les services publics se sont fait avoir progressivement, même s'il y avait des luttes contre ça, mais bah, c'était la stratégie, entre guillemets, pour faire perdre du pouvoir d'achat aux salariés dans la fonction publique. C'est pas très propre, mais bah, ça a fonctionné. RATP présent, ça fait plaisir. J'espère que vous serez présent et présente mardi. Je sais pas ce que vous avez prévu d'ailleurs. J'ai pas rediscuté avec les camarades des transports récemment. Hausse du point d'indice donc de 5%, je reviens, ça veut dire 1,25 milliard de cotisations supplémentaires. Donc tout ça, c'est pas une paille, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, il faut avoir en tête l'idée centrale que des meilleurs salaires, ça veut aussi dire de meilleures cotisations, pensions plus tard. Alors, prof, s'il nous dit, chez les profs, on part de l'idée qu'on a quasi 30% à récup sur le point d'indice avant de pouvoir parler d'augmentation. C'est exactement ça, ouais. C'est complètement ça, surtout chez les profs, si on reconnaît les qualifications. Et donc, pour le coup, évidemment, là, il y a une vraie, marge de progression, comme on peut dire. Non, mais oui, c'est un scandale absolu. Alors, une vraie politique de l'emploi. En force mardi, tractage au lycée du Reux le matin, s'il y a des relais magnifiques, ça. Bah, du coup, on se verra sans doute à la manifestation ensuite, parce que j'y serai aussi à Rennes pour la manif. Alors, une vraie politique de l'emploi, ça c'est essentiel, d'accord ? La question de l'emploi, bah, en fait, ça fait jouer le ratio actif sur retraité. Donc plus il y a d'actifs, plus il y a de ressources pour financer les retraites. Donc ça c'est essentiel. Évidemment, je vous fais pas un dessin, le plein emploi c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup le patronat. Le patronat se fout complètement qu'il y ait ou pas le plein emploi. Ce qui l'intéresse c'est un certain niveau de profit, c'est tout. Et un certain niveau de rentabilité des capitaux, c'est absolument tout. L'emploi c'est secondaire, nous on est la variable d'ajustement dans... les eaux froides du calcul égoïste, pour reprendre les mots de Marx, mais bon, peu importe. 100 000 emplois privés, ça fait un peu moins d'1 milliard d'euros de cotisations supplémentaires pour les retraites. Bon, on avait fait un chiffrage, nous, sur ce que pourrait donner, alors il y aura un chiffrage beaucoup plus précis, beaucoup plus académique, qui sera fait d'ici 2 ans, avec une équipe de chercheurs, sur ce que produirait comme effet le passage aux 32 heures. En fait, nous, pour l'instant, on retient que, c'est un scénario moyen aussi, ça créerait à peu près 1,7 million d'emplois. Et donc 1,7 million d'emplois, ça veut dire 13,6 milliards de cotisations retraites supplémentaires. Alors peu importe les hypothèses qu'on retient, le nombre d'emplois, etc. L'idée centrale, c'est plus d'emplois égale plus de cotisations. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est fondamental. 100 000 emplois dans la fonction publique territoriale, c'est 1,2 milliard de cotisations retraites en plus et 1,5 milliard pour la fonction publique hospitalière. Les besoins à l'hôpital sont estimés à plus 400 000 emplois au moins. Ce qui ferait 6 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Vous voyez qu'en fait, ce conflit-là, c'est emploi-salaire versus capital. C'est à peu près toujours l'histoire de l'économie, ça, hein, mais c'est à peu près toujours ça. Alors, plus 400 euros par mois immédiatement, plus 10% du point d'indice dans un premier temps. Allez, les profs. C'est bon, ça. Ça revendique. Alors, les temps partiels imposés par l'employeur privent les caisses de retraite, et là, pour le coup, c'est directement, parce que c'est pas compensé par l'État,
d'1,5 milliard d'euros. Là aussi, il y a un scandale majeur. Scandale des temps partiels, et puis il y a aussi le scandale des heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées. Ça, ça n'a aucun sens, mais je voilà, c'est peut-être pas le moment d'en parler tout de suite. L'autre élément, c'est que l'abaissement de l'âge de départ en retraite à 60 ans, vous êtes d'accord avec moi que ça fait que des gens sont en retraite et ne sont plus au chômage. Et donc ça fait des économies aussi pour l'assurance chômage. Donc la question qui se pose, c'est que fait-on de ces excédents de l'assurance chômage? En fait, ça, les économies pour l'assurance chômage, elles viennent de tout ça. Si vous avez mécaniquement plus d'emplois créés, vous avez mécaniquement moins de gens au chômage. Donc l'élément central, c'est que fait-on des excédents de ce qu'on appelle l'UNEDIC, c'est ça qui gère les cotisations pour l'assurance chômage. Alors, les exonérations de cotisations. Ça, c'est central. Et le chiffre peut donner le tournis. 84 milliards d'euros d'exonération de cotisations pour 2023. Ça, c'est extrêmement important parce que ça constitue un des éléments centraux de ces aides publiques aux entreprises. C'est 200 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, par contre, là-dessus, c'est que ce n'est pas 84 milliards d'euros qui manquent à la Sécu directement. Pourquoi ? Les exonérations de cotisations sont compensées par l'État. Ce que ça veut dire, c'est que depuis les réformes Fillon dans le début des années 90, ce qui a été décidé, c'est de dire au patronat, bon bah écoutez, on diminue cette cotisation-là, d'accord ? Donc ce qui fait que bah, vous, ça vous coûtera moins cher, je dis bien au patron, hein, c'est ça l'idée, et nous, collectivement, on compense avec les finances publiques, d'accord ? Donc ce qui fait que bah, le patronat, il dit, bah super, moi je paye moins cher, je suis très content, c'est parfait, et donc le financement de la sécurité sociale ne repose plus sur moi. Très bonne nouvelle. Mais ça ne veut pas dire des ressources en moins pour la Sécu, d'accord ? Ça veut juste dire qu'on a transformé le financement pour se le faire financer, entre guillemets, nous-mêmes, d'accord, via les finances publiques. Donc le manque à gagner de 84 milliards d'euros, il est pour l'État, il n'est pas pour la Sécu. En fait, les seules exonérations de cotisations qui pèsent directement à la Sécu, c'est celles qui ne sont pas compensées, d'accord ? Et donc pour la retraite, ça représente 2,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien non plus, au contraire, on les prend. Donc l'idée centrale, c'est que si on revient sur les exos de cotisation, ce qu'il faut faire, hein, c'est l'État qui va voir ses recettes gonflées. Alors on peut dire, bah du coup, à ce moment-là, on peut flécher une partie vers le système de retraite, mais ça veut dire qu'on fiscalise en partie, d'accord, le système de retraite. On n'est plus financé seulement par la cotisation, on est aussi financé par bah, une partie de la fiscalité. On a des études sur l'efficacité de ces exos. Bah oui, il y en a plein. Que dire aux collègues qui nous lâchent ? Oui, mais sans ça, les PME, elles coulent. Alors, la PME, elle ne coule jamais à cause des cotisations qu'elle doit payer. Elle ne coule jamais à cause des salaires qu'elle doit payer. Elle coule à cause des stratégies des grands groupes, dont la quasi-totalité, dans la plupart du temps, les PME sont les principaux sous-traitants. La quasi-totalité des PME de ce pays travaille au moins pour une entreprise, enfin une firme multinationale. Donc ce qui lui coûte cher, c'est ça. C'est la pression que lui met le donneur d'ordre. Ça, c'est essentiel. Et c'est aussi le coût du capital. Ça veut dire que pour une PME, le problème central, bah, c'est typiquement, si on est par exemple un artisan, son problème principal, c'est bah, son crédit bancaire, comment il va réussir à rembourser, ses charges, les vraies charges, je ne parle pas des cotisations, je parle des charges pour le loyer qu'il doit payer, par exemple, si c'est une petite boutique, etc. Ça, c'est les vrais problèmes pour les PME. Et on peut aussi dire que les aides publiques aux entreprises, bah, elles devraient être toutes dirigées justement sur les TPE et les PME, et jamais pour les grands groupes. Or, aujourd'hui, bah, si vous regardez la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, une étude qui a tout de suite été mise de côté, j'arrive plus à la retrouver d'ailleurs, c'était dans les Échos d'il y a 6 mois, par là, donc qui n'est pourtant pas un journal de gauche radicale, hein, vous suivez mon regard. Concrètement, c'est 60% de la suppression de la CVAE profitera aux grands groupes. Donc ce qu'on peut dire aux PME, c'est que, bah, évidemment, que les aides doivent servir d'abord aux entreprises qui en ont le plus besoin, les aides les petites, typiquement. Évidemment qu'un artisan avec un salarié, ça n'a rien à voir avec Total, je veux dire, ça, tout le monde en a pleine conscience. Ensuite, sur l'efficacité des exos, on sait que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a un, je vous le mettrai si vous voulez dans le chat tout à l'heure, il y a un rapport qui est sorti via l'Institut de Recherche Économique et Sociale, d'accord ? Concrètement, il y a un chapitre entier sur l'efficacité des aides publiques aux entreprises. Et la conclusion, elle est sans détour. Ça ne fonctionne pas. Ça ne crée pas d'emploi. Par contre, ça fonctionne pour le capital. Ça veut dire que ça augmente leur marge et ça augmente aussi les versements aux actionnaires. Donc c'est ça le scandale absolu des aides aux entreprises aujourd'hui. Donc on peut dire, si ton boulanger, faut qu'il soit aidé, ok, mais on prend la thune à Total. Exactement. Bah, évidemment.
à Total, on prend aussi au péage. Vous avez peut-être pas vu dans le Canard Enchaîné mercredi que les sociétés de péage allaient faire des super profits colossaux depuis qu'on les a privatisées. Et donc la proposition des services, alors je sais plus de quel service c'était, je pense que c'est les services de Bercy, du ministère de l'économie, mais je vérifierai, ne prenez pas ça pour argent comptant, proposait de les reprendre. Et évidemment, ce rapport a été enterré pour l'instant. Ça aussi, c'est un petit problème, parce que ça pourrait donner des idées à d'autres. Si on commence à dire que finalement, on peut prendre sur les super profits, on pourra peut-être les prendre à l'heure, quoi. Voilà. Alors, je t'enverrai, si tu veux, ma bouture après, des éléments. Si tu vas regarder sur le site Analyse et Propositions CGT, il y a quelque chose sur le coût du capital pour les TPE-PME. Bon, je reviens à mes moutons de retraite. Mettre à contribution les revenus du capital, ça c'est une logique essentielle. En 2021, les dividendes nets étaient de 50 milliards d'euros. Alors c'est jamais un chiffre suffisant, les dividendes nets, parce qu'en fait ça ne prend pas en compte l'ensemble des flux financiers. Mais il y a une vraie difficulté en fait à mesurer efficacement les dividendes. Je vais pas insister beaucoup là-dessus, mais on va retenir ce chiffre-là quand même pour l'instant. Si on mettait une cotisation à 28% comme on le fait sur les salaires, eh ben on aurait 14 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Alors en plus, c'est un chiffre minoré, hein, parce que les dividendes réels, si on les comptait correctement, c'est plus que ça encore. Mais évidemment, il y en a qui sont planqués, il y en a qui passent par des holdings, etc. Donc ça complexifie grandement la mesure. Et voilà, c'est un élément qui n'est pas évident. Le problème, enfin qui n'en est pas un, mais c'est que la mise à contribution des revenus du capital, c'est un palliatif. D'accord ? Bonjour, Golavier. En cas de crise, ça peut être un palliatif en cas de problème conjoncturel. Mais le véritable enjeu, est-ce que nous, on est pour qu'il y ait des dividendes qui soient versés ? En tout cas, moi, non. Je considère qu'il n'y a aucune raison que certains s'accaparent le fruit du travail global, parce qu'ils possèdent. Donc on ne peut pas être pour les dividendes. En tout cas, on est soit censé être pour leur suppression, soit un minimum, leur réduction à peau de chagrin sur des petits trucs en plus, ou j'en sais rien. Mais la logique centrale, c'est bien qu'on augmente les salaires et qu'il y ait moins de versements de dividendes. Ça, c'est essentiel. De quel droit celles et ceux qui possèdent prennent une ponction sur la richesse créée ? Pas participer à cette richesse créée, c'est le travail qui crée la richesse. Donc forcément, si on est logique et cohérent dans ce qu'on revendique et dans ce qu'on discute, on ne peut pas être pour les versements de dividendes. Ça, c'est évident. Et ce qui fait que si on assoit le financement de nos retraites sur les revenus du capital, en l'occurrence les dividendes, bah, ça conduirait à des trucs un peu bizarres. Ça voudrait dire qu'on commencerait à dire est-ce que pour avoir plus de ressources pour la retraite, il faut qu'on augmente les dividendes, ce qui augmenterait les cotisations ? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc c'est un palliatif. Bon, après, ça n'empêche pas de penser court terme, long terme. D'accord ? Et aussi niveau de rapport de force, etc. On ne va pas se priver à l'instant T de mettre à contribution les dividendes à hauteur de 28% si ça peut nous rapporter 14 milliards. Mais il faut avoir peut-être l'idée que la logique centrale, c'est l'augmentation des salaires. Et qui dit augmentation des salaires dit, à l'inverse, baisse des dividendes. C'est ça l'enjeu du rapport de force aussi. Donc l'idée, c'est pas de seulement taxer après, vous voyez, c'est en amont de la répartition de la valeur ajoutée, qui est toujours créée par le travail, je le rappelle encore une fois, de mettre, non pas de mettre le capital à contribution, mais de l'empêcher même d'avoir des revenus dès le début. Et ça, vous allez voir que c'est central pour les arguments suivants. Élargir l'assiette des revenus soumis à cotisation. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte de mettre plus de choses, d'accord, dans le panier de ce qui est soumis à cotisation. Par exemple, l'intéressement, la participation, l'épargne salariale, l'épargne retraite, ça rapporterait de l'ordre de 3 milliards d'euros de cotisations supplémentaires et 3 milliards d'euros de cotisations pour les autres branches de la Sécu. Et donc tout ça, on pourrait l'affecter aux retraites, évidemment. Aujourd'hui, les employeurs, ils privilégient tous ces mécanismes qui sont des mécanismes non salariaux, d'accord ? L'intéressement, tout ça. C'est particulièrement vrai pour les grandes boîtes. Donc s'il y en a parmi vous qui bossent dans des grandes boîtes, c'est très très clair ça, il y en a partout. Des mécanismes qui ne sont pas des augmentations de salaire, mais qui font que, y a sur la fiche de paye, ou au moins à la fin de l'année, des éléments qui sont en plus, quoi, du net en plus. Sauf que tout ça, ça ne contribue pas au financement du système de retraite, ni collectivement, ni individuellement d'ailleurs. Hein, parce que vu que c'est désocialisé, tout ce qui est intéressement, etc., pour la plupart, ça n'ouvre pas de droit à la retraite, notamment les primes. Donc, l'autre élément aussi, c'est que le déplafonnement des cotisations pour les salaires au-dessus de 27 500 euros, enfin, on pourrait déplafonner, d'accord, les cotisations. Ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, à partir d'un certain niveau, on ne prélève plus. En fait, il faudrait prendre au-dessus aussi pour ce qui rapporterait de l'ordre de 1 milliard d'euros. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée, élargir la surface à partir de laquelle on finance les retraites. Et puis là, j'arrive à l'argument central. Augmenter le taux de cotisation. Je crois que ça,
On peut retourner le problème dans tous les sens entre nous, on n'échappera pas à ça. Parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour le financement, et parce que c'est essentiel aussi dans le conflit entre le capital et le travail. Donc on l'a dit tout à l'heure, un déficit de 12 milliards d'euros, ça peut être résorbé avec une augmentation du taux de cotisation de 0,8 points. Donc ça fait pour un SMIC actuel, 7 euros par mois de cotisation salariale et 7 euros par mois de cotisation patronale, si on a un partage à 50-50. Sauf que, est-ce que nous, on veut un SMIC au niveau actuel? Ben non. L'idée, c'est d'augmenter le SMIC jusqu'à 2000 euros brut. Et là, regardez, on passe de 7 euros par mois à 8,25 euros par mois en augmentant le SMIC, mais en augmentant aussi les revenus nets. Donc ça veut dire que votre salaire augmente, d'accord? Au lieu de gagner, alors je ne sais plus à combien le SMIC est maintenant, il doit être à 1650, quelque chose comme ça. Si quelqu'un veut bien me fact-checker, on le passe à 2000 euros brut et on augmente un tout petit peu les cotisations. Donc on ne perd pas. D'accord ? La personne qui est au SMIC ne perd pas en pouvoir d'achat. Son salaire net augmente bien. Mais il y a une petite partie en plus qui va au salaire socialisé pour les retraites. Pour un salaire à 2500 euros brut, ça représente 10 euros de cotisations salariales et cotisations patronales au niveau. Enfin, à ce niveau-là, si on a un partage de 50-50. Donc vous voyez qu'en fait, c'est des montants qui ne sont pas du tout aberrants. Et ça, c'est l'enjeu fondamental. Donc à moyen terme, si on augmente par exemple de 2 points, ça fait 30 milliards d'euros. Et puis vous pouvez rajouter à chaque fois un point comme ça. Hein. Un point, c'est 15 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Donc l'idée centrale, bah, c'est de faire varier à la hausse ce taux de cotisation. Mais, évidemment, et c'est là où on est, le conflit avec le gouvernement va se durcir. Le gouvernement va dire, mais attendez, si vous faites ça, bah c'est les salariés qui vont payer. Eh oui, ça fait tant de centaines de cotisations en plus, le salaire net va baisser, etc. Mais attendez, qui a dit qu'il fallait que le salaire soit constant? Et là, on revient à notre hypothèse de départ sur le partage de la valeur entre ce qui revient au salaire et ce qui revient au profit. Si on augmente les salaires et qu'on augmente dans le même temps un petit peu le taux de cotisation, bah c'est bien en fait tout ça qu'on a réussi à prendre au capital. La véritable lutte à court terme contre le capital, bah concrètement c'est ça, c'est réussir à avoir plus de salaires globalement et donc du salaire socialisé pour financer aussi nos retraites qui sont en fait une continuation de notre salaire, c'est ça la logique. Et donc ça, ça se gagne. Et donc l'essentiel, c'est de se battre sur la question salariale, mais de poser en même temps la question du taux de cotisation. Est-ce que c'est clair ce point-là? Vous voyez ce que je voulais dire en fait au début? Si on dit juste on augmente les salaires, mais sans bouger le taux de cotisation, 1700 euros neuf brut. Merci, bah oui, j'avais oublié la dernière augmentation. Merci Golavier. Si on avait seulement comme revendication la hausse des salaires, sans bouger le taux de cotisation, bah on aurait simplement des meilleures pensions, ce qui est une très bonne chose. Mais on n'aurait pas assuré l'équilibre. Enfin, l'équilibre, il serait assuré, ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne pourrait pas assurer la retraite à 60 ans, 75% du dernier salaire, etc. Donc tout ça, c'est un choix qu'on doit faire collectivement. Et c'est une lutte sur ce qu'on doit gagner contre le patronat là-dessus. Ça va pour ça? J'espère que c'est à peu près clair. On aura le PPT. Bah écoutez, je pourrais vous l'envoyer, bien sûr, il est en ligne. Je vais vous le donner juste après, dans le chat. La sécurité sociale prise globalement maintenant, elle aura 13 milliards d'euros d'excédent. D'ailleurs, on aurait dû rajouter euros, donc ça c'est une petite erreur de ma part, d'excédent en 2023. Parce que 13 milliards de quoi, sinon, on ne sait pas. Alors la CADES, est-ce que vous connaissez cette fameuse CADES? La Caisse d'amortissement de la dette sociale. La Caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est un truc qui a été créé sous Juppé en 96, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours un doute entre 95 et 96. S'il y a des plus anciens parmi nous, n'hésitez pas à nous le dire. Elle aurait dû s'éteindre en 2024. D'accord? En fait, on met des choses dedans et puis on dit, bah voilà, tous les mois, il va falloir rembourser. Grosso modo, l'essentiel du remboursement se fait via la CSG et la CRDF. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée, qui est un impôt qui est directement sur votre fiche de paye. Vous pourrez les regarder. Et l'autre élément, c'est la CRDS, donc c'est pareil, contribution à la réduction de la dette sociale. Donc ça aurait dû s'éteindre en 2024, mais à l'époque, on s'était déjà battu contre ça. Il y a quelques années, Bruno Le Maire a dit, bon bah attendez, la dette Covid, on va en mettre une grosse partie bah, dans la CADES. Voilà. Du coup, on a le choix qui a été fait par Bruno Le Maire et le gouvernement en août 2020, c'est de transférer 136 milliards d'euros de dette Covid dans la CADES. Pouf! Oui, on met ça dans un petit truc particulier, on discute pas et puis on dit bah comme ça, on va la rembourser en une dizaine d'années. Quand je dis on, c'est nous. Hein. les Françaises et les Français rembourseront pendant une dizaine d'années, ce qui évite du coup bah, de faire payer le coût de la crise sanitaire au hasard, soit au plus gros patrimoine, soit au capital. Donc ce choix a été fait par le gouvernement. Le truc c'est que ce remboursement tous les ans, ça représente environ 20 milliards d'euros de surplus par an.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'issue de la CADES? Mettez-vous en 2033, d'accord? A priori, cette dette sociale-là, elle est remboursée. Bon, même si le choix qui a été fait n'est pas bon. On avait écrit une note aussi qui s'appelle « Que faire de la dette Covid ?» si vous tapez ça sur Google, enfin sur n'importe quel moteur de recherche, pardon, excusez-moi. « Que faire de la dette Covid CGT ?» Vous tomberez sur la note et tous ces trucs-là sont expliqués un peu plus en détail. L'élément central à bien retenir là-dessus, c'est qu'arrivé en 2033, qu'est-ce qui nous empêche de dire bah, on va transformer cette partie de la CSG et de la CRDS en cotisation retraite. Là, pour le coup, il n'y a pas plus à payer parce que c'est déjà sur la fiche de paye. Et ça fait 20 milliards de recettes par an en plus pour les retraites. Vous voyez que, en fait, ce que je suis en train de vous dire depuis le début, c'est que les leviers de financement, il y en a beaucoup. Hein. Et puis, on peut aussi rajouter le fait que la sécurité sociale, globalement, sera en excédent dans les années qui vont venir. D'accord ? Elle sera en excédent de 13 milliards d'euros en 2023, contrairement à ce qu'on peut entendre assez régulièrement sur le trou de la sécu, etc. Attends quoi, si c'est la même chose, comment on gagne? Bah en fait, là pour l'instant, la partie de la CSG et de la CRDS, c'est 20 milliards d'euros par an. Est-ce qu'ils servent aux retraites? Bah non. Ils servent au remboursement d'un morceau, gros morceau de la dette Covid. D'accord? Ce qui est un scandale en soi. Hein. Jamais de la vie, ça aurait dû être utilisé pour ça. En fait, dès 2024, on aurait dû avoir 20 milliards pratiquement d'euros par an de ressources supplémentaires. Ce qui a été décidé par le gouvernement, et qui nous a été imposé, bien sûr, c'est bah, du coup que, on va que la CRDS et la CSG allaient continuer, que la caisse d'amortissement de la dette sociale n'allait pas s'éteindre, mais qu'à la place, ça allait servir à rembourser un bout de la dette Covid. Donc, le choix qui a été fait, quand on vous pose la question « mais qui doit payer la dette Covid ?», le choix a déjà été fait, c'est nous qui payons, via ça. Et ça, c'est un scandale aussi, parce qu'on aurait pu dire bah, « en fait, on peut étaler la dette sur 50, 70 ans, on aurait pu faire beaucoup de choses ». Tout ça expliqué dans la note, mais je ne veux pas trop m'écarter du sujet pour l'instant. Mais l'élément central, c'est que d'ici 2030, on aura des possibilités de flécher différemment ça. Et donc de transformer ces prélèvements-là en cotisations retraite, ce qui permettrait d'augmenter les ressources globales du système. Donc tout ça, c'est des propositions qui sont évidemment réalistes. 100 milliards d'euros, c'est pas rien, mais c'est pas du tout, ça n'a rien d'irréaliste maintenant. Mettez-vous, ce qu'on pourrait me reprocher, ce serait de se dire « Oui, mais là, on réfléchit dans le cadre. » Mais non. Mettez-vous dans un cadre autre. Les caisses de sécu sont, selon la logique originelle de la sécu, c'est nous qui les gérons. D'accord ? On se pose collectivement. Il y a plus, imaginons, on vit dans un autre régime économique. D'accord ? Au hasard, ça s'appelle le socialisme, mais peu importe. On est autour, voilà, de la table pour discuter de nos caisses de sécu. On regarde ce qui se passe au niveau de la retraite. C'est ça, en fait, pour moi, si on avait vraiment une logique démocratique sur les questions économiques et une logique qui soit moins immature que celle d'aujourd'hui, avec l'espèce de paternalisme absolument saisissant de nos gouvernants qui nous disent « mais vous comprenez rien, il faut qu'on fasse de la pédagogie ». Et puis, la pédagogie, c'est toujours aussi l'art de créer un clivage de classe, parce que la pédagogie, c'est ceux qui savent d'un côté et la plèbe qui comprend rien de l'autre. Ça, c'est essentiel. Hein. C'est pour ça que moi, je me méfie toujours de ces affaires de pédagogie. C'est toujours la même chose entre expliquer et enseigner. Expliquer, c'est « j'ai le savoir, je vous le donne », puis enseigner, c'est « je vous mets sur le même chemin que le mien », c'est le chemin du savoir. Je ferme cette parenthèse aussi, peu importe. On est ensemble, petit moment de politique fiction, mais j'espère que ce sera un avenir proche, pour gérer la caisse, d'accord, pour les retraites. Bon, bah voilà, il y a un chercheur, une chercheuse plutôt, allez, disons, de l'Institut d'études démographiques, il dit bah voilà les projections sur la démographie, voilà ce qui va se passer sur les cotisations, voilà le nombre de cotisants, voilà les retraités. Voilà les ressources actuelles du système, voilà la part qu'on a décidé collectivement d'allouer aux retraites. Voilà l'objectif numéro 1, on veut partir à tel âge, 60. Allez, même si on est plus ambitieux, on va se dire allez, maintenant, il s'est passé des progrès. Disons qu'on est dans un monde où justement nos idées sont largement dominantes, etc. 55 pour tout le monde et pour les métiers les plus pénibles, 50. Allez, on est rendu là. Bon bah très bien. Les salaires sont de temps, etc. Les salaires sont donnés, la production de richesse est celle-ci, nos dépendances internationales sur un ensemble de choses sont celles-là, etc., etc. Quelle part de nos ressources? Qu'est-ce qu'on met en commun? Bah voilà, c'est ça qu'on va décider aujourd'hui. Bah dans la discussion, on se dirait, bon bah, la part des salaires peut être de temps, et puis du coup, la part qu'on alloue à notre retraite, c'est la part socialisée, sera de temps. Terminé. Voilà à quoi ça ressemblerait. Donc évidemment qu'on discuterait de chiffres. Dans le monde, dans notre monde à nous, les chiffres ne disparaîtront pas.
le calcul économique se fera différemment. Il ne se fera pas sur la base de la question ou pas de la rentabilité du capital. On s'en foutra complètement de ça. Il se fera sur la base de la façon dont on décide collectivement et démocratiquement d'allouer les ressources. C'est pas mal, ça fait envie, non, ça, pour le coup. En tout cas, moi, ça me fait envie. Mais on y reviendra à jour. Si les Français avaient voté pour cette réforme, pourquoi faire de la pédagogie? Bah, parce que j'imagine que dans la tête de la droite, c'est un peu comme un troupeau. On ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous, vous comprenez? Et en plus, on serait ingrat, je pense, dans leur tête. Cette plèbe, là, cette masse informe qui comprend jamais rien, ne voit pas que dans un monde en perpétuel mouvement, dans un monde changeant où la concurrence internationale s'intensifie, on fait des choses pour leur bien. Bon, ça, c'est un paternalisme tout à fait classique. Et moi, je pense qu'on est tout à fait à même et capable de prendre nos affaires en main sans avoir besoin de quelques encravatés pour nous dire « voilà comment on va organiser notre vie ». Pas besoin de ça. Il est pas mal ton monde, faut se syndiquer où pour ça? Bah ça, je ne ferai pas de prosélytisme sur cette chaîne Twitch, donc n'hésitez pas. Par contre, faites des dons pour les caisses de grève et pour mardi. Alors, dernier chiffre, un retour au partage de la valeur ajoutée de 82, part du travail de 73,5 contre 64,8 aujourd'hui, représenterait un transfert du capital au travail de 112 milliards d'euros. Donc vous voyez, on est dans les ordres de grandeur de ce que je décris pour les retraites là. Donc c'est largement finançable. C'est une question de rapport de force, comme d'habitude. Hein. C'est pas Yaka Faucon, là. Je suis pas en train de vous dire, bah oui, c'est pas compliqué. J'ai pleine conscience que le rapport de force, c'est pas une affaire simple. Mais pour le coup, c'est bien de l'avoir en tête pour avoir une vision claire sur où on va et ce qu'il faut aller chercher. On connaît le montant, on sait pourquoi on veut, c'est quoi, on connaît l'objectif, qui est le nôtre. Partir tôt, avoir des bonnes pensions, c'est pas plus compliqué que ça. On connaît les montants en jeu, les ordres de grandeur, normalement, après ce PowerPoint, si j'ai été assez clair. Et on sait aussi qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut aller le chercher dans le rapport de force vis-à-vis de ceux qui nous prennent indûment la part de la richesse qu'on crée. Et c'est ça l'essentiel. Organiser aussi différemment la production de richesse, etc. Bon, tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble et forme un projet, je crois, de lutte cohérent. Mais bon, tout ça peut se discuter aussi, etc. Salut Turbo Leleu. L'opposition entre ce qu'on porte et ce que le gouvernement prévoit, il est clair. Enfin, elle est claire, pardon. Le gouvernement veut faire des pensions et de l'âge de départ des variables d'ajustement. Ça, c'est central. Ils disent, on ne touche pas aux ressources. Donc, ce qui reste, bah forcément, c'est l'âge de départ ou les pensions. Salut, Persefoge. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter les ressources pour améliorer en profondeur le système des retraites. Donc, vous voyez, il y a deux projets, là. Et on est clair sur la façon dont on veut le faire et sur pourquoi on veut le faire. Je crois que ça, vous voyez, en termes de la bataille sur les chiffres et les idées, on est encore en train de marquer des points petit à petit, là. Il y a un sondage qui est paru dans l'UMA de la semaine dernière qui disait que, je crois, maintenant, plus de quasiment 60% des salariés étaient d'accord pour augmenter les cotisations pour pouvoir partir soit au même âge, soit plus tôt. Donc, vous voyez qu'en fait, cette idée-là, elle a fait son chemin. Alors même que, dans ce sondage-là, j'imagine qu'on ne disait pas, mais en fait, vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir deux meilleurs salaires et partir plus tôt. Alors, tout ça, c'est pas magique, hein, comme d'habitude. C'est du rapport de force. C'est une vision qu'on a de la chose économique et de la production et de la répartition des richesses. Donc c'est bien deux projets de société qui s'opposent. Celui du gouvernement qui est inique du point de vue budgétaire, qui ouvre la voie à la capitalisation, qui renforce les inégalités, qui fait peser sur le monde du travail l'ensemble des efforts qui n'ont d'ailleurs pas besoin d'être faits, qui nous fait partir plus tard, etc., etc. Et puis il y a le nôtre qui est finançable, qui est crédible, qui est tourné vers la cotisation, vers le système par répartition, vers l'amélioration du système actuel. Et en fait, ce qui est central aussi là-dessus à comprendre, c'est que si on ne fait rien, la route vers la capitalisation, elle est déjà en train de se tracer depuis un moment. Le stock d'épargne retraite, donc ça c'est la partie par capitalisation, c'est exactement ça, a augmenté de 300 milliards d'euros entre 2008 et 2018. Et c'est sans compter même les assurances vie qui servent pour beaucoup aussi en prévision de la retraite. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que ce qui se dessine, c'est un système de retraite à deux vitesses. Il y aura un système de retraite pour les plus hauts revenus qui ont bien compris que s'ils ne mettaient pas de côté aujourd'hui, bah, le taux de remplacement, donc le niveau des pensions, sera plus faible plus tard, et qui se mettent du coup à avoir une partie plus importante de capitalisation, des retraites supplémentaires, etc., tout un ensemble de produits. Enfin, en tout cas, les cadres aujourd'hui sont les principales cibles des stratégies des compagnies d'assurance et du secteur bancaire. La logique, elle est, bah, là, il y a un manque à gagner, parce que la retraite par répartition, ça rapporte rien. Ça rapporte pas de profit. C'est ça qui les dérange beaucoup aussi. Alors que bah, l'épargne, ça pour le coup, ça peut rapporter des profits. Donc,
la perte de confiance organisée dans le système de retraite, elle ouvre la voie, d'accord, à la capitalisation. Donc le projet qu'on peut porter, c'est pas d'augmenter les efforts individuellement, c'est d'augmenter la socialisation de l'effort pour que vive le principe de solidarité qui est propre à notre modèle social. Donc je crois que cette bataille-là, faut la mener de manière offensive aussi, ça j'en suis intimement convaincu. On ne peut pas se satisfaire de l'idée qu'il faut le statu quo, mais c'est toujours pareil. Une bonne défense, c'est dire, être capable d'expliquer pourquoi les arguments gouvernementaux sont mensongers, mauvais et faux. Ça, c'était le début de ce que je vous ai raconté. Et la partie offensive, c'est d'avoir aussi les idées claires, je pense, sur le projet que nous, on porte sur les retraites et globalement sur la répartition et la production des richesses. Et puis là, on peut partir ensuite à l'attaque pour discuter avec les autres salariés qui sont, je pense, enfin, le reste du monde du travail, qui, je crois, est parfaitement capable de comprendre que ce qui se joue derrière ça, ce sont des choix de société. Voilà pour ce PowerPoint. J'espère qu'il aura été au moins partiellement éclairant, qu'il vous aura donné envie de creuser un petit peu plus le sujet du financement et surtout d'avoir les idées bien séquencées et bien claires sur cette affaire. Je vais vous transférer maintenant tout de suite sur le chat, non seulement le PowerPoint, mais aussi le petit mémo qu'on a discuté en amont. Très éclairant, mais merci Clémence. Merci à vous, en tout cas pour ça. Alors attendez, c'est parti. Le mémo, je commence par ça. Bon, d'ailleurs, je vais même vous mettre le site analyse et propositions CGT parce qu'il y a tout dessus. Paf. Hop là. Et du coup, le PowerPoint, il est là. Juste ici. Paf. Et hop là. Voilà pour ça. Le problème, c'est que ça vaut plus rien au bout de 40 ans. Alors attends, qu'est-ce qui vaut plus rien au bout de 40 ans? J'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose, au secours! Alors, je me demandais, je n'y connais rien en politique, papier retraite, etc. Mais est-ce que ça serait bien d'avoir, dès que l'on commence à travailler, un compte spécial retraite? Surtout pas! 200 euros par mois, il serait versé sur 45 ans. Mais en fait, mon cher Turbo Leleu, ben non, parce que ça individualise la retraite. Et l'avantage, c'est que t'as pas besoin de faire ça. En fait, ce que tu décris là, ça s'appelle la cotisation, on le fait déjà, ça. Tous les mois, d'accord, bah t'as une partie de ton salaire qui ne va pas sur le bas droit de ta fiche de paye. C'est pas du net. Bah, c'est les cotisations pour la retraite, ça. Et ça, ça va dans une caisse collective qui sert à payer les pensions et qui serviront plus tard, pour les autres salariés, à payer tes pensions aussi plus tard. Alors, les intérêts, ça, c'est très bien, mais maintenant, imagine, tu mets ça sur un compte et du jour au lendemain, il y a une crise financière. Bah, tout ça, pouf, ça disparaît. Donc non, la logique par cotisation est la plus efficace et la plus... parce qu'elle donne une sécurité essentielle aussi sur ce qui sera versé. Et l'autre problème de ce que tu décris, c'est que maintenant, imaginons qu'on passe par un modèle par capitalisation, ce qu'a fait l'Allemagne dans les années 2000, globalement. On cotise pour les anciens, mais tu cotises aussi pour toi-même. C'est ça la particularité du système de retraite. En fait, aujourd'hui, tu payes pour les anciens, mais par contre, tu cotises aussi pour la retraite de ta génération à toi. En fait, c'est un système qui s'entretient en permanence, le système de retraite. C'est ça qui est beau. C'est de la solidarité intergénérationnelle. Et c'est de la... enfin, c'est un système intergénérationnel, mais c'est aussi un système qui fait que toi, d'accord, tes salaires rentrent en compte, pour ta future retraite. Donc on se paye collectivement nos futures retraites aussi. Donc je reprends l'exemple de l'Allemagne. D'accord ? Système par capitalisation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en gros, d'un seul coup, votre retraite dépend de fonds de pension. D'accord ? Les fonds de pension, la façon dont ils font fructifier l'épargne, laquelle est-elle ? En fait, l'argent ne fait jamais... on ne peut jamais faire de l'argent avec l'argent tout seul. Ça passe par un rapport social spécifique. Ça s'appelle le capitalisme, en l'occurrence financiarisé aujourd'hui. Donc le fonds de pension va, par exemple, acheter des actions dans une entreprise pour le compte des futurs retraités. À votre avis, maintenant, ce fonds de pension, dans le rapport de force dans l'entreprise, est-ce qu'il va être pour, par exemple, l'augmentation des salaires ? Ben non. L'objectif du fonds de pension, c'est de faire cracher le maximum de cash à l'entreprise. Ah oui, exactement, l'argent ne travaille jamais, c'est nous qui travaillons. L'argent, il est mis en valeur. Puis ensuite, il est mis en valeur par nous, notre travail. Bon, je reviens à mes moutons, c'est le cas de le dire.
même si je crois que c'est un chien ton truc, ouais. Donc si vous avez, d'accord, un fonds de pension qui gère votre retraite, en fait, en tant que salarié, votre intérêt, c'est d'avoir de meilleurs salaires, d'avoir de travailler moins longtemps, etc. Bon, les classiques. Mais en tant que futur retraité, bah, votre intérêt s'aligne sur ceux des capitalistes. D'un seul coup, votre intérêt à vous, individuellement pour votre retraite, c'est de faire en sorte de faire cracher du cash à d'autres entreprises dans lesquelles vous ne travaillez pas, typiquement. Donc c'est de faire pression sur les salariés d'autres entreprises. C'est ça, en fait, l'enfer de la capitalisation. C'est que ça aligne les intérêts du monde du travail sur ceux de la classe dominante. Et ça, c'est un véritable enjeu, quoi. Voilà pour ça. Bon, si vous voulez, pour aller un peu plus loin sur ce truc-là, on peut regarder une petite vidéo d'Henri Sterdignac. On va faire ça, je pense. Qui parle de ce qu'on vient de dire sur la retraite et qui je pense que ce qu'il raconte va un peu dans le sens de ce qu'on vient de dire là. Donc je pense que ça permettra de donner un peu plus de corps sur ce qu'on vient de dire. Un peu plus de corps, c'est marrant ça. Conseil d'orientation des retraites. Et les jeux de mots du samedi matin, sans faire exprès comme ça. Ça sort tout seul. Alors, petite pause sur la musique. Petite vidéo d'Henri Sterdignac. C'est parti. On va mettre en vitesse 1.25 parce que Henri ne parle pas toujours très vite. Cancel les vieux, c'est ça. C'est parti. Attendez, parce qu'il faut que j'augmente le son. Sinon, vous n'allez rien entendre du tout. Hop. Vous me direz dans le chat, s'il vous plaît, si c'est assez fort. Bonjour Henri. Vous entendez ? Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Henri, tu es économiste, membre des économistes atterrés. Tu as notamment signé une tribune dans Le Monde, maintenant, c'était il y a un peu plus d'une semaine, qui revenait sur la contre-réforme des retraites proposée par le gouvernement et où, dans laquelle tu avançais des arguments sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Mais ma première question, c'est une question qui me taraude parce que je trouve qu'elle n'est pas excessivement bien explicitée, c'est que la source première aujourd'hui de financement du système de retraite et donc des pensions, c'est les cotisations sociales. Or, dans le débat public, des gens de gauche font souvent des comparaisons avec d'autres ordres de grandeur. Ils parlent par exemple de la richesse des 500 familles les plus riches qui a augmenté. Ils parlent, de ce que les start-up françaises arrivent à lever comme fonds, sous-entendant par là même qu'on pourrait ponctionner, par exemple, le capital des milliardaires pour aller financer le système de retraite. Toi, je sais, puisque tu dis dans ta tribune, que tu penses que le système de retraite doit être strictement assis sur les cotisations sociales. Est-ce que j'ai raison et pourquoi c'est aussi important que le système de retraite soit assis sur les cotisations sociales uniquement ? D'abord, bien sûr, je n'ai aucune réticence à toutes les politiques qui visent à ponctionner l'argent des milliardaires ou qui visent à lutter contre les gâchis du capital. Mais je pense que ce n'est pas pertinent pour la question des retraites. Les retraites, comme d'ailleurs les prestations chômage, ça fait partie du contrat salarial. Les salariés ont droit à des prestations retraite et à des prestations chômage en fonction de ce qu'ils ont, du salaire qu'ils avaient, en fonction de ce qu'ils ont cotisé. Et c'est ça qui justifie le fait que, effectivement, les retraites, comme les prestations chômage, elles sont proportionnelles au salaire que vous aviez pendant votre carrière. Et à partir de ce caractère d'assurance sociale, ça signifie que les retraites comme les prestations chômage sont contributives, foncièrement contributives, même si effectivement on y ajoute des éléments de redistributivité. Mais fondamentalement, hein, si on met en cause le financement par des cotisations, si on dit les retraites c'est comme le RSA, comme le minimum vieillesse, à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de différencier les retraites selon les salaires et on va progressivement vers un système de retraite uniforme pour tous, relativement basse, et dans lequel on laisserait la place pour la retraite par capitalisation, pour les fonds de pension, pour les plus riches.
Donc du coup, tu es quand même ouvert à une potentielle diversification des sources pour alimenter le système de retraite. Je te dis ça aussi à dessein parce que aujourd'hui, ce qui est mis en avant, notamment par la droite et ceux qui sont pour la réforme, c'est que, en gros, il y a moins d'actifs par retraité. On est en dessous, en fait, on est à 1,7 à peu près, et que ce manque d'actifs ne permet plus d'alimenter le système de retraite et donc, du coup, crée de facto un déficit. Et ce déficit, on pourrait imaginer le combler assez facilement en disant, bon, on prend une taxe, comme je dis tout à l'heure, sur les milliardaires, sur le capital ou sur que sais-je. Non, la taxe sur les milliardaires, je veux bien, mais ce n'est pas du tout la question des retraites. La question des retraites, foncièrement, c'est lié au salaire. Donc, si on estime qu'effectivement, les profits globalement sont trop élevés, il faut se battre pour augmenter les salaires. Et si on... Vous voyez, ça, c'est vraiment l'élément central, je trouve. Si on considère que les profits sont trop élevés, c'est évidemment mon cas, et j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, il faut se battre pour augmenter les salaires. Et ensuite, c'est sur la définition du salaire. Globalement, c'est pas seulement augmenter le salaire net, c'est augmenter aussi la part socialisée du salaire. Salut, Sam Moriarty. Et donc, c'est là où se joue le rapport de force. C'est là où je trouve ça intéressant ce qu'il dit, en fait, et que je partage globalement. C'est l'idée de dire, le but, c'est pas d'aller chercher, une fois que la répartition de la valeur ajoutée s'est faite, une fois qu'on a réparti entre salaire et profit, c'est de diminuer dès le départ la part qui revient au profit. D'accord ? Et les impôts et les taxes doivent servir à autre chose que financer les retraites. On estime qu'il faut plus d'argent pour les retraites. Naturellement, la solution, c'est d'augmenter les cotisations. C'est ce qui s'est fait dans le passé. Augmenter les cotisations à fur et à mesure dans les années 70, 80, que le système devenait plus généreux. Et c'est la méthode normale. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout un pataquès en disant c'est scandaleux, c'est épouvantable, le système de retraite n'est pas soutenable, alors qu'un système par répartition, par définition, il est toujours soutenable. Il suffit de se mettre d'accord, d'ailleurs, d'abord sur le niveau nécessaire des pensions, ensuite on se met d'accord sur l'âge de départ à la retraite, qui doit être différent suivant le métier, et puis ensuite, on sait ce qu'on a à financer, et on en déduit les taux de cotisation, et tout à fait naturellement, s'il y a plus de retraités, ça veut dire aussi, au niveau individuel, qu'on vit plus longtemps, et à ce moment-là, il faut accepter de cotiser un peu plus. Vous voyez la logique ? Comment c'est clairement expliqué, ça ? On se met d'accord, c'est ça que je vous disais un peu sur le monde tel qu'on pourrait l'imaginer collectivement. On se met d'accord sur un âge de départ, on se met d'accord sur le niveau des pensions qu'on vise, on se met d'accord sur les critères de pénibilité, etc. collectivement, et puis ensuite, on en déduit les ressources nécessaires. Et puis évidemment, si on pousse le truc un peu plus loin, mon cher Henri, on pourrait se mettre d'accord en fait sur le niveau des salaires, concrètement, si on vivait dans un monde sans profit, qui est, je crois, le seul monde à peu près désirable dans lequel j'ai envie de vivre maintenant. Alors, justement, c'est la proposition que tu fais à la fin de ta tribune dans Le Monde, c'est d'augmenter ces cotisations sociales pour permettre, en gros, de meilleures pensions aux retraités et d'assurer que le système de retraite soit pérenne. Est-ce que cette augmentation des cotisations, est-ce que tu considères, comme à mon avis doivent te le dire en te critiquant les gens de droite, mais ça pèse sur le coût du travail ? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? D'abord, il faut bien insister que dans les projections du COR et dans l'idée de l'oligarchie financière, la manière principale dont ils envisagent d'équilibrer le système, c'est en fait par la baisse des pensions. Dans les projections du COR, les pensions baissent de 15% par rapport au salaire d'ici 2070 et puis de 25%. De 15% jusqu'en 2050, de 25% jusqu'en 2070. Et donc l'idée, c'est tant pis, les retraités seront de nouveau les pauvres de la société. Oui, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un peu en préambule, avant de commencer sur les affaires de financement.
quand on disait pourquoi on ne peut pas laisser le statu quo. Ben, c'est que le statu quo à régime constant, c'est ça. C'est l'appauvrissement des futurs retraités et les choix politiques qui ont été faits précédemment, c'est ça. C'est de dire on laisse filer, d'accord, le niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population, et notamment des actifs, celles et ceux qui sont en emploi. Et donc pour le coup, enfin en emploi ou au chômage d'ailleurs, peu importe. Et donc pour le coup, c'est ça en fait le véritable problème pour nous pour la suite. Soit on accepte que les retraités sont les futurs pauvres, soit on met les ressources nécessaires pour financer le régime de retraite. Donc c'est contre cela, il faut que les travailleurs disent, parce que la retraite, ça concerne essentiellement les travailleurs, il faut que les travailleurs disent, ben ça ne nous plaît pas, ce n'est pas ce qu'on veut, nous on veut une retraite à un âge satisfaisant, on veut des retraites qui représentent grosso modo 70% de notre dernier salaire, et donc pour ça, il faut augmenter les cotisations. Ensuite, une fois qu'on dit qu'il faut augmenter les cotisations, 4 points d'ici 2050, ben à ce moment-là, il y a un combat qui doit se mener. Soit effectivement, les travailleurs réussissent à ce que le patronat prenne en charge ces 4 points, la moitié de ces 4 points, et à ce moment-là, il y aura une petite hausse du coût du travail, il y aura une petite hausse, il y aura une petite baisse des salaires de 2% étalée sur 20 ans. Soit le patron refuse complètement et à ce moment-là, ce sont les salariés qui doivent prendre en charge ces 4 points. Donc si les salariés prennent en charge ces 4 points, ben, cette hausse des cotisations, elle pèse sur les salariés qui acceptent un revenu un peu plus faible pour garantir une retraite satisfaisante. Dans l'idéal, effectivement, c'est le patronat qui doit prendre ça en charge et l'argument du coût du travail, oui, bien sûr, mais pour nous, il faut dire clairement, en fait, ces points, on demande au patronat ben, de les prendre en charge en baissant les dividendes, en baissant la partie non réinvestie des profits. Et par ailleurs, hein, vous savez que les entreprises font des profits souvent importants et il faut en récupérer une partie importante par la hausse du taux de l'impôt sur les sociétés et par la lutte contre l'évasion fiscale. Et cette partie importante qu'on va récupérer, il ne faut pas l'utiliser pour les retraites, il faut l'utiliser pour financer la transition écologique. Donc voilà, l'essentiel là de ce qu'il dit sur le rapport de force, moi ça me paraît vraiment ça. La hausse des cotisations, il y a aussi la question de sur qui ça pèse. Donc il n'y a pas de raison que ça pèse sur les salariés si on augmente dans le même temps les salaires. Vous voyez la logique, c'est ça l'essentiel. Et donc la bataille entre salaire et profit, elle se joue à ce niveau-là. Augmentation des salaires plus augmentation du taux de cotisation. C'est notre petit en même temps là, qu'il faut qu'on ait toujours en tête. Aurore qui dit on ne se met pas d'accord sur un âge de départ. Tout à fait, c'est sur un nombre d'annuités pour la retraite à taux plein. Ça, c'est oui, bien sûr. C'est tout à fait ça, Aurore. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça parce qu'évidemment, sinon, on ne peut pas prendre en compte les carrières longues, etc. Ça me paraissait tout à fait juste. Voilà, un nombre d'annuités. Alors après, il faut voir dans le détail aussi sur ce qu'on fait pour les carrières hachées, etc. Concrètement, l'idée d'avoir un âge aussi, concrètement, c'est pour se dire, c'est une forme de protection aussi pour les aléas de la vie des différents individus qui arriveront jusqu'à la retraite, qui auront eu des carrières hachées. Je pense notamment, bien sûr, particulièrement aux femmes, parce que c'est les femmes qui sont les plus concernées aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi un moment de calcul avec un âge de référence qu'on peut définir collectivement beaucoup plus faible. Hein. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est effectivement de dire que, enfin, pour des raisons X ou Y, si il n'y a pas toutes les annuités, on fait rentrer la logique de solidarité en plus. Donc en fait, Aura, oui, tout à fait, faut affiner, tu as tout à fait raison. L'idée, c'est d'avoir la règle de base, qui est le nombre d'annuités. C'est ça qui donne la logique différée, entre guillemets, de nos revenus sur la suite. Et puis, il y a la logique de l'âge aussi, pour la partie socialisée, qui donne le côté redistributif aussi des retraites. Du moins, c'est comme ça que je me dis qu'on pourrait le voir le plus clairement possible. Pourquoi on ne peut pas faire peser ça sur les charges patronales plutôt que ça? Alors, c'est les cotisations, ce n'est pas des charges, mais c'est exactement ça l'idée, Lucille. C'est de faire peser l'augmentation
sur les cotisations sociales patronales. Mais en fait, en définitive, ça ne change pas tellement grand-chose, que ce soit patronal ou salarial, au moins à plus et moyen à long terme, dans le sens où tout ça, c'est du salaire. Ça fait partie de notre salaire. C'est la partie qu'on met en faveur de nos caisses collectives, quoi. C'est ça l'idée centrale. Et puis surtout, à régime constant, en fait, il faut bien qu'il y ait une partie... Enfin, si tout passe par la cotisation patronale, si le patronat a le rapport de force suffisant vis-à-vis du monde du travail, il peut le répercuter immédiatement à la baisse sur les salaires. Alors, pas immédiatement, il y a toujours la limite basse du SMIC, mais ça peut contribuer à faire pression à la baisse sur le salaire net aussi et l'intégrer dans les négociations salariales sur le brut. Donc bon, voilà, il y a toutes ces questions-là qui rentrent aussi en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que l'essentiel, dans la logique, c'est que les cotisations pèsent sur le patronat et pas sur les salariés, ça c'est évident. Et que ça ne se traduise pas, bien sûr, en baisse de salaire. C'est ça l'essentiel. Juste pour être pour bien voir ce que tu proposes, est-ce que tu proposes une augmentation qui serait quand même différenciée en fonction des revenus, c'est-à-dire que en gros mettre plus à profit pour le système de retraite les hauts revenus que les petits revenus? Je vais te répondre non, ça va beaucoup te choquer. Donc je pense que foncièrement il est légitime que les taux de cotisation pour les retraites soient les mêmes pour tout le monde, qu'ils soient réfléchis à l'intérieur du système des retraites et que par ailleurs, on a l'impôt sur le revenu pour réduire les inégalités de revenus et on a la lutte au niveau des entreprises pour lutter contre les salaires excessifs dans les entreprises. Cela dit, tu sais que les hauts revenus collaborent déjà au régime général, puisqu'on leur fait payer des cotisations sur l'ensemble des salaires, alors que les prestations sont soumises à un plafond. Et on peut justifier cette cotisation en disant ben, c'est normal parce que les hauts revenus, ils ont des espérances de vie un peu plus élevées. Et donc, il n'est pas complètement illégitime, si on augmente les taux de cotisation, d'augmenter aussi le taux de cotisation hors plafond qui permet d'avoir un système plus satisfaisant. Oui, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Cette histoire de plafond, ça veut dire que pour les plus hauts revenus, il y a un montant maximum de prestations de pension de retraite. Et en fait, ils cotisent plus que ce qu'ils vont payer. Alors en fait, moi, je pense que la question là-dessus, il faudrait la prendre à l'envers, c'est est-ce qu'il est normal qu'il y ait des hauts revenus? Alors, sans même parler des patrimoines, le fait qu'il y ait des hauts patrimoines, ça se règle en 5 minutes. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de discuter, ça n'a aucune forme de légitimité. Et pour la question des revenus, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire jusqu'à quel moment... Enfin, est-ce qu'on peut discuter ou pas d'un salaire maximum, ce que ça voudrait dire, sur la base de quoi, etc., etc. Bon, ça, c'est des discussions qu'on a régulièrement, collectivement, avec différentes personnes avec qui je discute, etc. Mais je pense que ce serait la manière de régler cette question-là. C'est-à-dire, plutôt que de corriger ensuite, c'est pareil. Ce serait de dire, vous voyez, là, il y a un revenu maximum qui donne droit à une pension maximum, et puis du coup, tu as réglé un peu le problème globalement. Et tu pourrais aussi faire, du coup, des plus hauts revenus, des éléments de variable d'ajustement en cas de problème. Tu peux faire surcotiser un moment, etc. Bon, ça, c'est des trucs qu'on peut discuter. Mais dans l'idée, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est que s'il n'y a pas de très hauts revenus, la question de ce qu'on fait des très hautes retraites ne se pose plus. Mais bon, tout ça, ça fait partie des discussions sur... Faut-il ou pas un salaire maximum? Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne donnerai pas de réponse définitive sur cet enjeu-là. Il faut dire que notre système de retraite, foncièrement, il est foncièrement juste. C'est-à-dire qu'on a, au cours du temps, mis des éléments comme la pension minimale et cette cotisation sur les hauts salaires qui font que le système est relativement satisfaisant. J'ai une dernière question, Henri. C'est sur la mise à contribution pour abonder ce système de retraite et permettre à la fois
le maintien du niveau des pensions et aussi l'équilibre du système, des pensionnés eux-mêmes, c'est-à-dire des retraités. Notamment, je pense aux retraités qui ont les retraites les plus importantes. C'est Jean-Pierre Mignard, l'avocat, qui, sur un plateau télé, disait « Écoutez, moi, je ne sais plus quel âge il a, mais j'ai une pension de retraite très importante. Pourquoi pas me mettre à contribution et dire « Voilà, on fonctionne un peu ». Et ce, d'autant plus que aujourd'hui, les retraités font partie des gens qui sont le plus en faveur de la réforme. Donc, pour se dire qu'on les fait participer à l'effort, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'en pense que du mal. Les retraites actuellement représentent, la retraite moyenne, c'est 62% du salaire moyen. Donc, c'est pas excessif. Hein. Le système, il est tel que les personnes au bas de l'échelle ont des taux de remplacement de l'ordre de 85%. Au haut de l'échelle, on a des taux de remplacement de 60%. C'est pas excessif. Depuis 7 ans, les retraités ont subi une perte de pouvoir d'achat de 8,6% parce que on leur a fait payer de la CSG et parce que les retraites n'ont pas suivi parfaitement l'inflation, donc ils ont déjà contribué. Et je suis opposé à toute mesure qui frapperait spécifiquement les retraités, parce que si on frappe spécifiquement les retraités, naturellement, on met en cause la fiabilité, la rentabilité du système public par répartition. Et ça génère l'idée pour les cadres qu'après tout, ils seraient mieux s'ils étaient dans un régime privé par capitalisation. Cela dit, bien sûr, il est légitime de frapper lourdement les retraites chapeau, mais c'est en dehors du système public. Et par ailleurs, il est tout à fait légitime de frapper les plus riches en tant que tels, par exemple en rétablissant l'ISF, par exemple en faisant que de nouveau tous les revenus financiers soient taxés à l'impôt sur le revenu. Bon, il serait bien d'augmenter nettement les droits de succession et qu'on utilise par exemple cette somme pour aider les jeunes des milieux modestes à faire des études supérieures en augmentant les bourses ou en faisant une allocation d'autonomie. Et puis si vraiment, vraiment on est choqué par le fait que les retraités possèdent leur logement, on peut très bien dire, on considère que la possession d'un logement et le fait d'habiter un logement dont on est propriétaire, ça nous donne un revenu qu'on appelle un loyer fictif. On pourrait taxer un peu ce loyer fictif, par exemple lui faire payer de la CSG, voilà. Donc oui, on peut taxer un peu plus les milieux aisés dans notre société, mais il n'y a aucune raison de s'en prendre en priorité aux retraites. Merci beaucoup. Paf. Alors ce dernier point, il est important. J'aime bien cette formule. La lutte des classes d'âge masque toujours la lutte des classes. En fait, les retraités, c'est comme les jeunes, ça ne veut rien dire. Il y a des retraités riches, il y a des retraités pauvres, il y a des retraités qui sont extrêmement riches, et il y a des retraités qui sont aussi très pauvres. Donc l'idée de dire faire payer les retraités globalement, ça n'a pas de sens. La seule question à savoir, c'est les loyers effectifs. Ah oui, alors la logique de loyer effectif, c'est de dire qu'en fait, quand tu es propriétaire de ton logement, d'accord, c'est comme si tu percevais des loyers fictifs qui correspondent à une fraction de la valeur du logement. Et donc, ça rentrerait en compte dans le calcul de tes revenus au même titre qu'un loyer, typiquement. C'est comme si tu percevais un loyer. C'est ça l'idée centrale. Donc, ça permettrait en fait d'augmenter l'imposition sur les ménages qui sont propriétaires de leur logement, typiquement quand on est retraité, quoi. Ce serait ça la logique générale. Alors, on avait écrit une petite note aussi, je vais vous la mettre dans le chat, qui s'appelait « Les retraités ne sont pas des privilégiés ». Et en fait, ce qu'on met dans cette note, c'est justement l'idée, voilà, je vais vous la mettre dans le chat, comme ça vous pourrez aller regarder de votre côté aussi. Pardon, c'est pas du tout là, c'est plutôt ici. «
si tu possèdes... Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est ce qu'on met aussi dans la note. Le fait d'être propriétaire, c'est pas suffisant, en fait. Donc, du coup, il faudrait regarder si pour les multipropriétaires, tu vois, typiquement, je sais pas, moi... Voilà, une petite retraite avec un, je sais pas, une maison que tu as héritée, par exemple, de ta propre mère quand tu as, dans les années 20 ou 30, je dis n'importe quoi, que tu as rénové, etc. D'autant que c'est le genre de maison où il y a des frais qui sont beaucoup plus importants que la moyenne, etc. Donc, c'est, tout ça, on le met dans la note que je viens de vous mettre là, sur les retraités sont-ils des privilégiés. Et en fait, quand on pense retraite, il faut toujours penser en termes de catégorie classe sociale aussi. C'est pareil, on ne peut pas prendre la catégorie retraité pour argent comptant au global. Bon, voilà, en tout cas, vous voyez ce que dit Henri Sterdyniak n'est pas totalement éloigné de ce qu'on racontait tout à l'heure. Il est très attaché, lui, à la logique de cotisation, et je pense que c'est pour de bonnes raisons. Donc, Henri Sterdyniak, si vous ne le connaissez pas, c'est un des meilleurs économistes de ce pays, pour être très franc avec vous. C'est, voilà, il fait partie de celles et ceux qui sont les plus grands spécialistes des questions de sécurité sociale et protection sociale plus généralement. Hein. Protection sociale incluant aussi les prestations type RSA, etc., tout ce qui est issu pour le coup de l'impôt, c'est un des meilleurs spécialistes de cette question-là. Le deuxième spécialiste, il s'appelle Michael Zemmour, donc je vous invite, sur les questions de retraite, à lire avec attention tout ce qu'écrivent Michael Zemmour et Henri Sterdyniak. Et si c'est trop technique, parfois s'il y a des choses qui ne vous vont pas, n'hésitez pas à me poser des questions et j'essaierai de faire en sorte de traduire en langage courant ce que raconte Henri et ce que raconte Michael. Mais voilà. Donc, si c'est clair pour vous, vous devriez retenir les idées suivantes par rapport à ce qu'on a dit depuis le début. La première idée, c'est que le système de retraite n'est pas en danger. Ça, c'est clair et net. Je vous remets, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, le diaporama sur le financement dans le chat. Hop là. La deuxième idée, c'est que le gouvernement raconte n'importe quoi sur l'état financier du régime, parce que c'est ça qui sert sa volonté politique, ça c'est logique. Il dramatise honteusement les chiffres, et ça de la même façon, je vous remets aussi tout de suite, hop, le petit mémo qu'on a écrit sur le sujet, comment le gouvernement gonfle les chiffres. De toute façon, la bataille sur les retraites va être longue, et donc il faut s'armer, je pense, intellectuellement sur toutes ces affaires-là, pour être capable de résister à l'argumentaire, et patronale, et gouvernementale, et puis bien sûr en partie médiatique. Vous avez vu cette affaire, hein, cette affaire qui n'en est pas une, c'est malheureusement tristement classique sur ce que ça dit du champ médiatique dominant dans ce pays. Le petit repas d'Emmanuel Macron qui balance en direct les éléments de langage à un paquet d'éditorialistes, dont le boulot est ensuite évidemment de servir la soupe. Ça me paraît assez scandaleux, mais malheureusement on finit par s'habituer à tout dans ce pays aussi. Donc, deuxième élément, le gouvernement gonfle les chiffres. Troisième élément à retenir, fondamental, on ne peut pas ne rien faire. Ça n'existe pas. Le statu quo, si on est au statu quo, en fait, je peux même vous le montrer graphiquement. Ce qui me permet de faire de la pub pour le baromètre économique de la CGT, que je vais vous mettre dans le chat aussi, pour que vous voyez en fait ce qui nous attend si on ne fait rien. Hop là. Alors, tac. Donc le baromètre éco, si vous ne connaissez pas, c'est un document dans lequel il y a à chaque fois une page, un graphique de la CGT et un petit commentaire, évidemment, CGT. Voilà le graphique. Si un régime constant, donc ça, les différentes couleurs, c'est les différents scénarios retenus par le Conseil d'orientation des retraites, d'accord ? Ce qu'on exprime ici, c'est le niveau de vie, d'accord, des retraités, niveau de vie moyen, rapporté au niveau de vie de l'ensemble de la population. Donc là, on est à peu près ici. Une camarade vient de donner 20 euros. Mais merci beaucoup, camarade. Ça fait plaisir, ça. Merci de vos dons pour les caisses de grève. Donc l'idée centrale, regardez ici. Vous voyez que le niveau de vie des retraités est à peu près égal et même aujourd'hui légèrement supérieur au niveau de vie des actifs. Ce qui va se passer du fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'indexation des pensions non pas sur les salaires, mais sur les prix, bah regardez ce qui va se passer tendanciellement, peu importe le scénario, une diminution du niveau de vie des retraités par rapport au salaire. D'accord ? On se dirige tranquillement vers les moins 30% là, si on ne fait rien. Évidemment, l'objectif politique, c'est quoi ? Bah, c'est de faire en sorte, vous voyez, cette toute petite ligne bleu clair là, qu'on reste ici, alors peut-être même en dessous, en tout cas aux alentours de 100%. C'est ça ce qu'il faut garantir comme niveau de pension, que les pensions garantissent un niveau de vie qui permettent de vivre aussi bien que les actifs. C'est,
Ça, c'est l'élément central. Donc forcément, on ne peut pas ne rien faire. Ça implique de dégager les ressources. Et les ressources, on peut les dégager. On sait le faire. Les leviers de financement sont nombreux. Vous les avez dans le PowerPoint. Mais l'élément central, c'est que tout se joue autour du duo salaire-cotisation. Augmenter les salaires et augmenter dans le même temps le taux de cotisation, tout se joue là en termes de rapport de force. L'alternative, sinon, qui est déjà prévue par le gouvernement et qui fait que les compagnies d'assurance et certaines banques se lèchent déjà les babines, c'est des formes de capitalisation qui finiront par se développer. Et donc, évidemment, ça, on n'en veut pas. Ça implique de se battre pour notre régime, ça implique de mettre les fonds suffisants, et ces fonds maintenant, si j'ai été assez clair ce matin, vous savez globalement où il faut aller les chercher, vous comprenez que c'est une affaire de rapport de force, et vous êtes équipé pour aller lutter pour ça. Donc j'espère que cette mission est au moins partiellement réussie. Dans tous les cas, les documents sont disponibles sur le site que je viens de vous donner. Le baromètre, ouais, il est joli, hein. Regardez, il y a même une petite photo de Philippe Martinez en... Attendez. Regardez-moi ça. Hop là ! Un Philippe Martinez sauvage apparaît dans l'édito. Donc le baromètre écho, il ressemble à ça. C'est très joli. Et donc évidemment, tout ça, vous l'aurez sur le site. Ce sera disponible, enfin c'est sur le site de la CGT que vous pouvez retrouver tous ces documents-là. Dans tous les cas, moi, si vous voulez me poser des questions, j'ai une chaîne Twitch aussi qui s'appelle Mathieu _ Coq, COCQ, que vous pouvez retrouver sur Twitch. On fait des lives régulièrement. On reparlera bien sûr des retraites sur la chaîne perso. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette matinée vous aura donné envie d'aller plus loin sur la question des retraites, de bien comprendre ces affaires de financement. Je suis aussi sur Twitter beaucoup, où je relaie énormément de choses sur la question du système de retraite en ce moment, évidemment. Vous allez voir qu'il y a un tweet épinglé sur les aides publiques aux entreprises qui mérite, je crois, votre attention, parce que de l'argent, là aussi, il y en a abondamment. L'idée centrale, c'est qu'on peut faire autrement. Ça, je pense que ce n'est pas très nouveau non plus pour vous, mais c'est bien de l'avoir en tête et c'est bien de savoir pourquoi, d'avoir une idée des ordres de grandeur et de voir qu'ensuite, ben voilà, maintenant, la bataille sur les retraites est lancée, d'autres batailles suivront, et puis j'espère que je vous verrai soit dans les grèves et les manifestations, soit qu'on pourra rediscuter tranquillement ensemble, en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitch ou ailleurs. Ben écoutez, je ne vais pas être beaucoup plus long. N'hésitez pas à bourrer les dons pour les caisses de grève, ça c'est essentiel. Je vous donne rendez-vous pour celles et ceux que je verrai dans la manif mardi. Pour celles et ceux que je ne verrai pas, je vous souhaite une très bonne lutte mardi pour la suite. J'espère que vous allez réussir à convaincre vos collègues, vos amis, votre famille de l'absolue nécessité de se battre contre cette contre-réforme des retraites et contre la dégradation annoncée de nos retraites, de nos pensions et par l'idée qu'on voudrait nous faire travailler plus tard. Vous comprenez maintenant que tout ça, ce sont des choix politiques. Eh bien, écoutez, je vous dis, c'est l'heure de la bagarre maintenant, à la lutte. Alors, attendez. La suite du programme, à midi, dans moins de 10 minutes, il y a HJV qui devient une catgirl pour la grève. Alors, je vais regarder ça quand même quand je serai dans le train, parce que je ne vois pas, je vois pas ce que ça représente. Donc, j'irai regarder ça tout de suite après. Et on va se laisser tranquillement aller porter par une petite pause jusqu'au stream suivant. Ça marche ? N'oubliez pas, allez manifester si vous pouvez. Allez surtout, faites grève, c'est essentiel. Donnez si vous pouvez aussi aux caisses de grève. Et moi, je vous souhaite une très bonne continuation. Si vous ne pouvez pas, évidemment, ne culpabilisez pas. Au contraire, dans tous les cas, faisons ça collectivement. Bonne continuation à vous, bonne lutte. Et à très vite, j'espère. Et bravo à l'équipe technique du piquet de stream pour tout ce qu'ils font, l'équipe même, pas que technique, l'équipe tout court, c'est une super initiative. Je passe la main tranquillement ensuite aux autres streameuses et aux autres streamers. Une très bonne journée à toutes et à tous, bravo pour ce boulot collectif, et en espérant vous revoir très prochainement. Des grosses bises, bonne lutte, et à ciao.